Barre-toi l'alerte! Tu me masques! Bon, bonjour Cyber Jojo! Je suis ravi de te voir, j'espère que tu vas bien! Oh là là, c'est la folie! Et voilà, sabotage, l'alerte ne se barre pas! Bah alors, les alertes, elles sont censées durer graphiquement que 30 secondes! Pas squatter mon écran! Ah, ça y est, c'est barré! Alors ça, il faudra que je corrige. Il faudra que je me... Ah, j'ai pas pris de crayon. J'ai pris le papier, mais... Ah si, j'ai un crayon de feutre. Merci tout plein. Niveau 2. Oh la vache, t'as vu le truc, toi? Ouah. Je peux pas prendre le plan, c'est dommage. Moi, ça tiendrait qu'à moi. J'arracherai le panneau. Je le garderai pour moi. En plus, ça pourrait servir de bouclier. Eh les mecs de l'escouade, vous avez pas fini de jouer avec les portes là? Bande de sales gosses. C'est n'importe quoi. Mais c'est nimpe. Ah ouais. Bon, l'interrupteur là je l'ai fait. Ah oui, merci. Si j'oublie d'ouvrir le micro, ça va pas aider. Bonjour SDR et bonjour Twinsen, j'espère que vous allez bien. Oui, je disais, j'ai démarré sur les clips, en fait, ma prise d'antenne. Parce que j'arrête pas de bidouiller plein de trucs depuis une heure. Et je me suis laissé surprendre par l'heure, en fait. Je dis, merde, il est 9h, j'avais dit que je commençais vers ces heures-là. Enfin, vers l'heure-là. Alors, attendez voir. Je me souviens même plus comment je faisais. Ah, je faisais une capture spatiale de... Ok. Alors, attendez, minute papillon. Et si, je crois, sans déconner, que ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait le jeu là. Donc du coup, j'ai déjà perdu mes repères, en fait. Capture d'écran, je crois. Pourquoi j'ai le bazar dans mes systèmes de capture, moi? J'ai la capture de jeu qui est isolée des autres captures. Attendez là, je suis en train de flipper là. Pourquoi j'ai perdu des modes de capture? Bah. J'ai la capture externe. La capture de jeu qui est... Pardon. Ah. La capture de jeu... Mais non, mais je veux pas. Oh non, ne me dis pas que j'ai un bug avec mon ordi. Minute papillon, excusez-moi, je monte ma tronche, mais... Je suis obligé de régler la chaîne à chaud. Et ma capture d'écran, elle est où? Ma capture d'écran aurait disparu. What? Depuis quand ça fait ça? Bon, bah je l'ai réinvoqué. Mais... voilà, sauf qu'il faut que je refasse un cadrage. Voilà. Alors, attendez, minute papillon. Minute papillon. Il va falloir que je dise... Que déjà je veux pas tout. Oh bah mince alors. Pourquoi le truc a sauté? Faudrait pas que je le fasse comme ça là pour aujourd'hui. Hop là.
Oui, ça fait bizarre du coup. Ça fait pas propre. Si je passe sur l'autre plan, attendez voir. Ah mais non, que je suis con, je suis dans le plan D. Mais quel abruti je fais? C'est bon, plan plein de caméras. Wouah! Faut se réveiller le matin. Tu 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 tu. Elle est là ma capture d'écran. Si je commence à essayer de faire des captures depuis mon plan pleine tronche, j'ai pas fini ma journée moi. Oui, j'ai vu une scène. T'inquiète pas, je regarderai ce soir. 17h45. 17h45 pour le tableau mystère, on fera le point à ce moment-là. 17h45. Mais ouais, avec mes captures, ouais, je vais devenir chasseur de Pokémon, ouais. Voyez un peu de ça. Tac 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 tac. Ouais, j'avais démarré sans le micro, bêtement, j'oublie de le sortir du mode muet. Alors, on y croit, attendez, on va y aller. Déjà, je vais mettre le retour pour moi en plein écran, histoire que j'arrive à bien jouer. Tac 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 tac. Je crois que je joue à la souris, hein, quasiment. J'en étais où? Je sais plus. Peut-être faire ouais, l'autosave 27 parce que. Je sais plus où j'en étais. Ah, la carte. Ah, ça va être peut-être pas quand j'ai la grosse barre corridor machin 7. Attendez. Finalement, on va basculer sur la scène B. La scène B. Tac, 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 tac. Tic, touc. Voilà. Et là, vous avez. Vous verrez bien la carte. Yeah. Voilà qui est mieux. Oui, voilà. Ça masque pas la carte. C'est mieux ainsi. Alors maintenant, il faut que je me rappelle des touches. J'avais pas une touche pour avancer. Attendez voir. Non. Attends, j'ai zappé les scores. J'avais pas une des touches là pour dire je bouge mes fesses. Attendez. Ah, j'ai peut-être pas. Ah, c'est contraignant ça. Alors je veux bien prendre un peu de clavier, mais. Ouais, pourquoi pas. Oula, 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 faut que j'apprenne mes repères. Eh ben c'est bête, mais en 15 jours j'ai oublié. Comme quoi, il faut pas que je casse mon rythme dans les jeux. Sous peine de perdre la main. Eh ben j'ai du bol qui m'a pas tiré dessus. Vache. Il aurait pu me faire beaucoup de mal. Si si, il y a du peuple. Oui mais il m'a pas. Ah c'est peut-être parce qu'il y a la. Il y avait des lasers dans le lot. Là je suis à fond au niveau. Tac tac tac. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas la carte du niveau non plus qui m'est offerte. Ah, ils sont chiants avec les lasers. Et bam, et bam, et bam, mais je te soustrais des points de vie. Ah non, c'est des boules d'énergie en fait. À chaque fois que je passe, je me fais soustraire un truc. Ah c'est chiant.
Du coup, tu dis où est-ce que tu peux faire le plein de santé? Ah, je dis bien qu'il y a du monde. Je crois qu'il n'y avait rien de particulier sinon. Mince! Si je me trompe de touche. Wow. Échapper à un tir. Ah, pas évident. Ah merde. Ah, il m'a cueilli comme une fleur. Je reprends l'autosave depuis le début du niveau parce que ça me fait vraiment un bon entraînement là. Là j'ai besoin de me remettre, de réacquérir les réflexes, les bons réflexes du jeu. Et le pire, c'est que j'arrive à un moment de l'histoire, il faut que je fasse gaffe à mes munitions. Parce que je peux me retrouver à poil avec le petit flingue, certes illimité, mais qui est peu puissant. Alors face à un mini-boss, c'est même pas la peine. C'est juste l'enfer. Ça y est, on voit le petit point jaune sur la carte. Tot, il est arrivé. Merde, il m'a eu. Wow. J'ai presque envie de... Ah bah si, si, il y en a. Au pire, je reviendrai là sur la fin, parce que j'ai pas envie de me taper les champs d'énergie qui me bouffent ma vie. Je pensais pas qu'il m'avait aussi proche. Non? Ah, je sais plus, je croyais qu'il y avait un ennemi. Non, c'est bon. Ouais, mais on va faire la porte d'à côté. Là, je veux bien sauvegarder parce que je progresse quand même. Save 1. Ouais. Le réflexe est bon. Comment tu me sauces gratuitement, lui? Ah, salopard. Je sais pas pourquoi j'ai eu une intuition avec la lunette infrarouge. Ah, je crois que la carte elle est... Ouais, elle est là. C'est, je m'en souviens. Ouh, bordel.
Il y a du beau monde. Je suis en train de me souvenir que j'ai fait un cauchemar cette nuit. Que j'étais dans un lotissement, mais tout le quartier en fait était victime de la sécheresse. Et les fissures étaient de plus en plus béantes, mois après mois. Et ça faisait peur. Tu te disais, tu sais que le truc va finir par s'écrouler comme un château de cartes, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce cauchemar. Mais waouh. C'est en train de me revenir en sous forme de souvenir, j'ai envie de dire, le cauchemar de cette nuit. C'est bon. Ah, il essaie de me jouer une entourloupe là. Il essaie de me jouer une entourloupe, non? Oh oui. Belle tentative, j'aurais pu me faire avoir. Tiens, du coup, je serais curieux. Alors si le cœur t'en dit de clavarder SDR, le coup du Resident Evil 0, ou est-ce que t'es convaincu de vouloir te l'acheter sur la Switch? Parce que du coup, comme je l'ai fini hier, enfin du moins le scénario principal, les modes bonus vont être sympas. Mais franchement, j'ai adoré. Ah, et merci à Bombastos qui m'a eu de toute beauté sur un clip. J'étais un peu cru, j'avoue, mais je crois avoir restitué la réalité d'une scène d'action Rebecca contre le boss. Ça filera dans la compilation du meilleur. Aïe aïe aïe. Oui, ah oui, c'est vrai que j'ai la sauvegarde en tant qu'auto, je l'ai fait une fois. Comment ça, pour. Oh merde, ça y est, j'ai plus de munitions. Oh, c'est pas cool. Ouais, éventuellement, j'ai... Ah oui, j'ai le machin blast. La mort qui tue. Oh! Je me fais allumer. Oh. Merde. Ah, il m'a eu avec une aisance déconcertante.
zombies. Fichtre. Chien ou bestiaux? Oh merde. Je pensais que je pouvais y aller de manière frontale, lui faire du rentre dedans, et tiens, basta. Ouais, au petit flingue, j'irai pas loin. On n'est pas de bol SDR. Alors je connais pas en fait la console, la Switch. Je l'ai vue très brièvement, un modèle d'occasion, une petite heure entre les mains de mon neveu. Durant la période de Noël pour jouer au Monopoly là. Mais je me pose la question. Je vais me faire avoir moi. Je me pose la question. J'ai pas le bon flingue là, je suis mal. Je suis mal. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir le flingue? Ah parce que c'est le truc qui a la même énergie? Ah oui, je suis foutu là. Parce que contre celui-là au petit flingue, dur. Non, il va me buter. Oh là là. Là j'ai un souci de... De munitions. Oui, je sais que t'aimes bien la console. Pardon, je continue ma phrase. Est-ce qu'il y a bien le contenu en intégral sur la Switch? Là, par exemple, j'ai fini Resident Evil 0. J'ai droit à du contenu bonus, là, incarner Wesker, ou le coup des 100 gemmes sans su à trouver. Le mode Leish, comme il l'appelle. Je sais pas s'il y a strictement le même contenu, j'ai envie de dire presque en copier-coller, de la version originale à la version Switch. Oui, c'est gentil de ta part de faire la recherche, mais je veux dire, voilà, te sens pas obligé de me faire une recherche pour ça. Mais c'est gentil. Je posais juste la question comme ça, par curiosité intellectuelle, comme on dit.
Bon, munitions, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Pa, 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 pa. Ah. Je sais pas si ça touche. Ah si, ça touchait. Il bouge sans vraiment donner l'assaut. Ça aide pas. J'ai vu, il était là. Et lui, il est là. Merde! Oh la vache, j'allais pas l'avoir. Oh le stress toi. Vache, il a fait me buter le salopard. Merde, le v'là. Live là. Voilà, je suis dans la merde là. Ah, j'ai plus assez de munitions. Vous voyez le scénario catastrophe que je vous décrivais? Je suis déjà dedans alors qu'on est au niveau pas si profond que ça, quoi. Ça craint du boudin. Ça craint du boudin. 27. Je crois qu'il y en a 40 des niveaux maintenant. Ça sent pas bon, mon histoire. Ça sent pas bon. Ou alors, j'essaye une autre porte. Et je vais avoir des munitions plus facilement. Pour espérer. Sinon, t'en penses quoi globalement niveau gameplay et autres? J'adore. J'adore les persos. J'ai presque envie. Dommage qu'on retrouve que Rebecca dans les modes mercenaires, comme l'expliquait si bien FunFan hier. En dehors évidemment de sa courte apparition dans le 1. Hein. Mais non, le scénario, il fait crédible. Bon, j'ai mis, souviens-toi, spontanément une critique sur la chronologie de la saga. Quand j'ai débloqué à la fin le mode spécial pour Wesker, normalement à ce moment-là, il est censé encore être humain, entre grosses guillemets, puisque Wesker est lui-même le fruit d'une expérience génétique. Mais il n'est pas encore fusionné avec un virus normalement dans son sang. Ça va me sauver ça. Oui, j'ai bien fait de passer par là. Les niveaux sont généreux parce que tout ce qu'on a traversé c'est grand, c'est cool. Si franchement bien. Moi ce que je te souhaite, et c'est la question que je me pose sur la Switch, c'est que t'aies mes niveaux bonus, je pense. Parce qu'en programmation, c'est pas difficile à faire. Et s'ils sont honnêtes, ils te mettent tout le contenu, quoi, comme j'ai moi sur ma PS3. Et là, franchement, ça vaut le coup, parce que la rejouabilité est vachement intéressante. Là, tu vois, hors antenne, j'ai envie de temps en temps de reprendre le scénario du jeu, donc le mode entre guillemets normal. Mais en incarnant Wesker. Wesker remplace le prisonnier Billy. Donc c'est... Il y a quelque chose de... Voilà, de motivant. Et non, puis tout le reste est bien. Je trouve que la difficulté est bien équilibrée. Bon, j'ai joué en facile, voilà. Et je reconnais que maintenant, les prochains, j'y jouerai en normal. Que j'en bave un peu et que j'ai quand même quelques morts, quoi. Mais que j'ai un peu plus les chocottes. Mais non, franchement, bien sur tout point. Puis on l'a vu ensemble, les graphismes, il y a des au niveau du décor, il y a des salles qui sont magnifiques. Non, il y a des trucs, je gagatais. La disposition en plus des lieux, elle est crédible. Bon, j'ai pas trop réfléchi par rapport au téléphérique souterrain. C'est assez tiré par les cheveux, mais bon. Ça donne une ambiance particulière à Resident Evil. Mais là, on va dire que la sous-section des pièces est plutôt cohérente, hein. C'est pas con. Pardon. Non, non, franchement, bien le zéro. Hein, il m'a laissé une excellente impression, hein, sans déconner. Hein.
Wally Wallo. Ah, tu seras pas déçu de jouer, faire ta propre expérience sur la Switch. Ouais, c'est pas cool mon histoire. Je suis en train de me faire liquider. Ah, les mines, ouais. Important les mines. C'est vrai que j'y pense pas. Ah oui, je pense pas que tu auras de regrets sur la Switch. C'est plus tard dans le temps, tu me diras si t'es une fois que tu auras fini, ne serait-ce qu'en mode facile. Parce qu'en facile, j'ai pas tout débloqué, évidemment. Mais tu me diras si t'as les modes bonus une fois que t'as fini une fois le scénario. Bonjour Erika, j'espère que tu vas bien. Oula, attends, laisse-moi deviner, il est 3h30 du mat chez toi. Tu t'offres encore une insomnie, Erika. Waouh. Eh bé. Là là là. Mais oui, comment vas-tu, Erika? Oh, bonjour, Chris. Il y en a du monde. Ah oui, partir sécuriser une zone. Oui, bah tu fais bien. Bon café à toi, Chris. Oui, tu fais bien de m'y faire penser. Moi aussi, j'ai le mien. Avec ma belle tache. Aime bien. Oh. Là là. Ouais, bah oui, ouais. Ah là là. Bon, c'est bien si tu vas bien. Ouais, ça va tranquillement. Oui, bah, c'est la bonne réponse. Ça va tranquillement, merci. Comme un dimanche. C'est cool. Ah, attends, moi je suis dans la mouise dans mon jeu, moi. Parce que j'ai plus les super armes. Voilà. Ah, il faut que j'évite de perdre des munitions maintenant. Parce que là, dans mon cas, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Oh merde. Ah oui, je m'en souviens. Il m'en faisait baver. Le gars à l'armure là. L'alien à l'armure. Pas lui, celui qui est en beige. C'est un mini-boss, le blas. Ouais, tu parles. Eh oui, il me liquide. Ah, il faudrait que je la tire dans mon corridor et que de loin je lui balance les boules d'énergie. C'est pas évident. Ah, il va m'en faire baver ce mini-boss. Dans 19h, je suis en vacances. J'ai hâte que ma permanence d'assistant se termine. Ah ouais, bien. Cool. Alors du coup, je suis mon indiscret, Chris. T'es en vacances combien de temps? Une semaine? 15 jours? C'est cool, c'est bien. Non, je l'aurais à la petite arme, chiche. Ah, ce serait drôle. Puis ce serait économique. Enfin, je perds de la vie là, mais bon. Oh, je serais trop content de l'avoir la petite arme. Je le tiens en respect. Ah ouais. Mais j'ai perdu de la vie quand même. Mais pas mal. Vache, il a failli me buter le salopard. Oh, Adrenaline boost! J'ai 300 points de vie bonus. 2 semaines! Ah, c'est cool. C'est bien. Ah bah, c'est dans ces moments-là, faut profiter de la famille. Ah là là. Ah, c'est cool. Bah, on est ravis pour toi, Chris.
Ouais, tu bah la première quinzaine de février, ouais, tu vas être peinard. Cool. Alors je me sens mieux pour la dernière phase du coup là. Comme j'ai 300 points de vie. Ouh! On va le finir ce niveau, on va le finir. On y croit. Faut bien gérer. Comment qu'il essaie de me feinter lui? Faut bien gérer les munitions. Ce qui a mal commencé, mais bon. Il me reste 10 extraterrestres à débusquer. J'ai envie de dire les plus chiants. Merde, j'ai merdé. J'ai grave merdé. Ah, j'ai merdé. J'ai merdoum. Alors là, il faut que j'y aille la lumière. Ah non, j'ai plus de lunettes. Non! J'ai plus de lunettes infrarouges. Oh non, je peux plus voir quand je les zigouille les... Wow. Floor secured. Eh bah dis donc. Bah je suis bien content d'avoir eu le... l'adrénaline boost. On va enfin passer à la suite. Mazette. Ah c'est bien, t'as le mode Wesker sur le mode Switch. Alors ça veut dire que t'as la totale, donc c'est bien, prends-le les yeux fermés. Parce que la rejouabilité, elle est trop bien. Ça manque de musique du sage en bande de son derrière, je trouve. Bah, vous avez pas la musique du jeu? Parce que le jeu, lui, il a de la musique, mais je peux bien mettre ma musique si vous voulez. Attendez voir. Attendez voir, attendez voir, attendez voir. Oui, je peux vous mettre mes œuvres. Attendez. Je sais même plus. Où ça? Voilà. Si ça vous va. Bonne journée, Erika. Oui, tu passes en lurk. Oui, bisous, bisous. Oui. Non, non, on fera pas de bêtises, Erika. T'en fais pas. On reste raisonnable. Attendez, pardon, mais je vous lis un peu dans le chat parce que vous avez écrit des trucs que j'ai même pas vu. Oui, surtout que ce travail demande 150% de toi. Oui, c'est bouffant. Oui, bah tu vas pouvoir te recharger, Chris, c'est bien. Tac, 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 tac. Génial, ça marche, à mince, j'ai même pas fait gaffe. Oui, pour les musiques, oui, ouais. Même moi, je t'avouerai. Pourtant, les musiques du jeu, je les aime bien. Alors, attendez. Oui, il faudra que je reprenne le chemin de l'ascenseur. Qui est, je sais plus où il est d'ailleurs. Ah bah si que je suis bête, c'est en énorme sur ma carte. Oui, je crois que j'avais vidé complètement. Allez, encore un sous-sol plus bas. Courage. Alors là, je peux sauvegarder en... Hein? Voilà. Oula, il y a 50 ennemis. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On va tous mourir. Alors c'est bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de lunettes. Ça, c'est emmerdant par contre. De plus avoir de lunettes infrarouges, c'est pas cool. Ah, et ces murs qui te regardent. Ça fait peur, ça fait peur, ayez peur.
rien de particulier. Il n'y a pas un des trucs... Ah si. Ah, avantage stratégique majeur, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Hop là. Alors là, pour le coup, je suis au gars, là, oui. Attendez voir. Attends, ça fait un énorme pan de mur où il n'y a rien là. Ça va pas. Il y a forcément un mur à pousser. Il y a un truc là. C'est Majax. Ouais, alors là, on va se cotiller tout le long. À pousser du mur. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des trucs. Du coup, je vous lis dans le chat. Tac, 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 ouais. On avait parlé de la musique. J'ai pas l'impression d'avoir déclenché un truc. Sérieux? Ou alors ce serait dans la partie intérieure du... Ouais, bon allez, on va faire le tour déjà du grand corridor, on va voir. On va peut-être dégoter des trucs. Bizarre. Ah, j'ai pris Space Invader IGX sur Xbox et musique me rappelle ces heures passées donc des chants devant des caissons. Oula. Oh. Je suis où là? Oh mon dieu. Il va y avoir des aliens. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, 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 je ne t'inquiète pas, j'avais compris. Mais ça nous arrive tous de se planter de mots ou de... Moi, mon gros défaut, en fait, à l'écrit, sur le chat, c'est que... Merde. Oh, il y a un boss en armure. Non, j'ai vu un Gugus en armure. Les verbes à l'infinitif. Je suis terrible de laisser mes verbes à l'infinitif, moi. Oula. Ah oui, alors, si je suis invulnérable, vite. Faut que je rentre dedans dans l'autre. Oui, tu es invulnérable. Vite, 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 vite. Faut que je le bute. 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 Wouh ! Bien joué ! Stratégiquement, là, je l'ai super bien joué. Wouh ! J'ai pas perdu un point de vie, c'est bien. Wouh ! Ah, je suis content là. Là, là, non, franchement bien. Oui, merci pour le GG. Ah oui, non, là, pour le coup, c'est... C'est crédible. Enfin, c'est... Je l'ai vraiment bien joué, voilà. Trop, trop bien. Alors, il y a un truc qui m'intrigue dans le... couloir. Du coup, il y a un truc qui se pousse là ou pas ? Si ça se pousse pas côté corridor, y a rien. Putain, ça m'épate que dans le niveau, l'espace soit pas exploité. Non, rien de rien. Ils ne regrettent rien, les concepteurs de la carte. Bon. Bah, ok. Pa-pa-pam. Ah, il sort pas le salopard. It's a provocation. Ah, puis c'est un démon. Je l'ai eu? Ah oui, je l'ai eu. Ah, pourquoi il n'y a pas de passage secret? On veut du passage secret, nous. On a fait du Resident Evil encore hier. On est encore dans le coup. On aime les passages secrets. Hop, hop, hop. Je suis poursuivi joyeusement, là. Oh, merde. Il est passé devant moi, j'ai pas vu.
Non, il y en a un autre en armure. Lui, je l'ai vu grâce au radar. Salopard. Non, mais c'est l'autre en armure qui me fait suer, là. Merde, j'ai presque plus d'énergie dans le canon. Ah là, je suis dans la merde. Oh là là, mais ils sont plus bien. Je suis dans la mouise. J'ai plus de munitions. Alors, tout doucement, on recule. Attends, il vient ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement de chaîne, là. Oh! Oh! SDR, merci d'avoir offert à Chris un abonnement. Ah, mon Dieu. Derrière moi. Je vais me faire avoir. Oh, c'est la guerre. Wow. Oh putain. Oh, les boules. Le jeu qui me fout les boules. Au secours, je veux m'enfermer. Enegi. Ah merci tout plein, Zer. Oh là là. Ah. Je dis bien que mon radar indiqué. Ah bah gars, elle me fait piquer le cul. Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un, mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune, puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Des zoubis. Le pire, c'est que j'ai comme vous l'animation en plein écran, mais il ne me dérange pas parce que c'est je joue au radar en fait. C'est ça qui est dingue. Il me suffit de la carte sur l'écran en haut, à l'angle, et j'arrive à gérer la situation. C'est dingue. Hein. Derrière moi. Merde. Il m'a eu en beauté. Salopard. Il m'a eu en beauté. Ah puis eux ils donnent rien les salopions. Attendez, je vous lis. Oui, c'est adorable de la part de SDR. Je commence à avoir la flip dans le jeu. Parce que là c'est devenu du lourd. Hein. Ah merde, si je te fais flipper, c'est pas le but. Désolé. Ouh, l'armure, elle a morflé depuis. J'avais pas fait gaffe, j'étais quasiment à 999. J'étais redescendu à 400 et quelques. Non, y'a rien. Ouais, ça me laisse dubitatif. Dubitatif. Attendez, je vous lis. Ouais, pour la concentration, ouais, c'est pas évident. Mais c'est bien, les réflexes sont revenus. Il reste 28 extraterrestres à débusquer. Il est chiant lui. J'ai eu l'impression d'entendre Pennywise me parler. Ah oui, tu te réveilles, ouais. Bah oui, t'es comme moi, tu es arrivé au café là pour reconnecter les neurones. J'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Il y a encore un mini boss en armure beige là. Oh. Les chars d'arceau sur pattes.
Il n'y a rien là, on est d'accord. Non, je suis dans la merde. Non, je suis mort. Merde. Alors, avant de le rencontrer, lui, il faut que je refasse le plein d'armes. Et c'est pas donné. Enfin, c'est pas dit. Oh. Mince, j'ai relancé le générique. Con, je suis pas allé dans le bon truc. Je suis en train de réfléchir à ma stratégie dans le niveau, là. Dur. Dur, dur, dur. Ouais, du coup, je devrais en baver un peu. Bah, c'est comme d'hab. C'est-à-dire que je me réserve bien évidemment le droit de pas y répondre si c'est trop indiscret. Mais tu peux toujours poser ta question. Je te dirai sinon ouvertement que je ne souhaite pas répondre. Mais de toute façon, dans tous les cas, je ne vous mettrai pas de vent. Ça, c'est ma grande peur, c'est de vous mettre des vents. C'est pour ça que de temps en temps, je prends le temps en semaine d'essayer de relire mon chat des séances précédentes en disant, est-ce que j'ai pas loupé une question de quelqu'un? Quitte à ce que je lui réponde un message privé. Ah non, 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 pas d'enfant, moi. Non, 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 pas d'enfant. Non, au plus proche, si tu veux, j'ai un neveu, une nièce. J'ai mon neveu, qu'on peut dire que j'ai presque géré comme si c'était mon fiston. Ah, je suis mort. Je suis dans la mouise, il me reste un point de vie. Bon, pour des raisons particulières, on va dire familiales, j'oserais dire que j'étais un peu le père en second pour mon neveu sur certains points. Mais non, j'ai pas d'enfant. Ça fait plaisir. Non, pas spécialement en fait. Non, 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 non. C'est pas... J'aurais pas été à l'encontre à l'idée de... d'avoir été père. Et je pourrais encore le devenir, à vrai dire. Je suis pas encore trop vieux. J'arrive tout doucement sur la quarantaine, là. Mais non, c'est l'idée de l'accouplement, en fait, moi, chez moi. C'est-à-dire que je suis assez sauvage comme garçon. J'ai fait des belles rencontres. Mais pas au point de faire un beau morceau de vie en commun. Ah, la carte entière. Stratégiquement indispensable. Surtout à ce niveau. Oh, j'ai... Merde. Comment ça, il se promène dans le... Ah, il se promenait dans le corridor, le salopard. Je l'ai vu sur la carte. Oui, ça se discute. Non, moi, ce qui m'a impressionné... Il y a un témoignage qui a été en partie réalisé par un journaliste à la sortie du premier confinement par rapport à la satanée pandémie. C'est terrible. Mais en fait, il y avait un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là m'avait marqué. Ils ont tout détricoté ce qu'ils avaient fait avant l'arrivée du virus. C'est-à-dire qu'ils étaient partis... Alors, ils étaient en couple, ils vivaient sous le même toit, et ils avaient pour projet d'avoir des enfants. Et ben, avec l'arrivée du virus, ça les a tellement perturbés, qu'ils ont tout détricoté. Ils se sont mis en pause en se disant « Merde, mais finalement, on va peut-être dans le mur, dans nos vies respectives. » Donc, ils ont abandonné l'idée de faire un enfant, non seulement ensemble, mais la dame s'est dit « Je veux pas avoir d'enfant, finalement, dans ma vie. »
Le couple ne voulait plus vivre sur le même... Toi, c'était le grand méchant qui fait flipper. J'aurais dû tirer, mais j'ai pas le réflexe. J'avais pas la main sur la souris, tant pis. J'avais pas la main sur la gâchette. Bref. Et ils sont séparés, et voilà. Donc ils ont vraiment tout détricoté. C'est... Ils ont pris chacun en plus une vie de célibat, quoi. Et, terrible. Waouh. Mais bon, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Hein. Il y en a d'autres assez forts. Mais... terrible, terrible. Ouais. Mais alors, je pense que le scénario... Alors, je veux pas faire mon psychanalyste à deux balles à la Gérard Miller. Mais je pense que le scénario des couples qui sont séparés durant le confinement, je pense que c'était des couples qui avaient la dynamique d'actifs. C'est-à-dire qu'ils s'aimaient, je pense vraiment, sincèrement, pour la plupart des cas. Mais ils se voyaient que pas beaucoup, très peu dans la semaine, et un petit peu le week-end, dans leur phase de repos. Et le fait de se voir quotidiennement à la longue, plus que des congés, ils ont dû, entre guillemets, rentrer, apercevoir un mode retraité, quand ils seront plus actifs. Et c'est là où ils ont dû se bouffer la tronche, et je pense qu'il y a pas mal de couples qu'ils ont cassé à cause de ça. C'est ma théorie. Il y en a qui ont dû s'arrêter sur leur vie, puisqu'ils étaient en pause forcée, puis ils se sont dit, ah mais je l'aime bien vivre avec, mais à l'idée de pas être actif, de faire une vie de retraité avec mon amour actuel, là, ça va pas le faire. Et je pense qu'il y a pas mal de couples qui sont mis en cause comme ça. Mais sociologiquement, psychologiquement, sur plein d'angles, c'est super intéressant à étudier. Mais maintenant, il doit y avoir plein de bouquins qui vont arriver, je pense, là-dessus. En librairie, il y aura plein de spécialistes qui vont donner leur analyse. L'avant et après pandémie. Je suis bête. Cela, je pourrais les faire au petit flingue, en fait. Je pourrais les faire au petit flingue. J'aurais dû les faire au petit flingue. Ah, il n'y a pas des munitions à droite à gauche. Là, il faudrait presque que je tente un strike, entre guillemets. Les exciter à me poursuivre dans un couloir et poser une mine, histoire qu'ils se la mangent bien gratos, quoi. C'est une stratégie comme une autre, hein. Mais il faut que je la mette en place. Ah, la vache, il n'y a rien en munitions. Il n'y a rien. J'ai envie de retourner tout de suite dans le corridor et voir s'il n'y a pas des salles secrètes que j'aurais loupées parce que... Merde, en plus j'ai pas pris le bon côté. C'était à l'opposé. Mais il y a eu l'inverse aussi d'ailleurs. Ah oui, à plus, bon courage pour le taf, Chris, à plus, bon dimanche à toi aussi, merci. Je pense, enfin, il y a eu l'inverse aussi, il y a eu des couples qui se sont formés, parfois même tout bêtement en voisinage. Je me souviens d'un exemple de voisinage, ils étaient sur le palier opposé, dans le même étage d'un immeuble, et ils ont fini par s'accoupler. Ça, c'est mignon aussi. Ah, je dirais pas non un coup de pouce, hein, à mon niveau, là. Oh, merde, homme. Y a pas un mur qui coulisse. Ouais. Ah, je reconnais que c'est dur. Bon, là, c'est la porte de machin truc, mais... Ah, j'aimerais bien avoir un bonus. Si seulement je pouvais faire le plein d'armes. Mais apparemment, c'est pas le cas, là. Oh.
Invulnérabilité, ça va pas m'arranger là. J'ai envie de dire ça va pas m'arranger. Je veux bien essayer, mais j'y crois pas trop. Parce que hop, si je ressors de là, je fonce sur la... Non, c'est un secteur en plus où j'ai déjà fait le ménage. Non, c'est con. Non, elle me sert à rien, la sphère. J'ai pas le temps de rentrer dans le tas. Ah, oh, c'est ballot. Ah, il y a quoi là? Ah, c'est peut-être là que j'aurais dû en faire usage. Il y a rien de rien de rien. Pas un mur qui se pousse. Ah, c'est terrible quand même. Non. Oh là là, non, j'ai rien qui se pousse. Je suis dead. Ah, il m'a pas donné de pile. Pas de bol. Ouh, j'ai un poursuivant là. J'ai un poursuivant et c'est moi le poursuivi. Bien géré. Nice. Joli, hein, pardon. Oui, ça passe vite, ouais, ça passe vite, SDR, ouais, ouais, c'est affolant. Ouais. D'ailleurs, le coup de la compile du meilleur, là, des clips, ce qui est dingue, c'est que pour le mois de janvier, alors qu'on est en train de le finir ce week-end, là, j'en suis déjà à une demi-heure de clips cumulés en durée. C'est dire les âneries que j'ai pu débiter et les bons moments qu'on a déjà passé ensemble. Ça... Et pour ce qui est de cette nouvelle année, pour le moment j'estime que mon meilleur clip c'est l'énorme bug avec Lara Croft. Quand elle fait de la lévitation là dans le vide, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Le bug là il est énorme. Mais ils donnent rien ces aliens. Oh là là, je suis à poil face à eux là. Dur. Je regarde tellement de radar que j'ai failli pas voir celui qui me faisait face dans le couloir. J'avais pas l'air idiot. C'est un quoi? C'est un œil, ça va. Les gnogneux, ils sont faciles. Les gneugneux, ils sont nunuches. Hop hop hop. Merci radar. Oh merde. Merde merde merde, non, casse-toi, casse-toi. Pas le gars en armure. Pas l'alien en armure, oh la vache. À l'usure, à l'usure, à l'usure, à l'usure, je vais l'avoir à l'usure. Au pire, si ma vie est trop basse, je file dans une chambre de régénération. 45, 36, 30. Faut que je fasse gaffe. Pardon, je vois qu'il se passe un truc dans le chat, mais... Merde, la porte est fermée. Hop là, attention. Je referme la grille parce que lui, il va m'allumer. Attention, il est là. Oh le salopard. Non, là je pense qu'il m'a buté là. Merci de ta générosité. Dans la cagnotte, la chaîne file la raconte grâce à toi le serveur. Minecraft sera financé ainsi que plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Bah merci SDR. Décidément. T'es à la fête ce matin. Merci tout plein. Bonjour Devil Olive. Voilà, je me disais bien que j'avais atteint un événement. Bonjour Devil Olive. Non, c'est pas le même jeu.
Oui, c'est pas grave que ce soit pendant mon combat. Ah bah, c'était le dernier ennemi, dis donc. La classe. Wouh! Alors vite, il faut que je me file dans une chambre de régénération. Waouh. Je suis sûr que j'ai loupé plein de passages secrets. Alors, je serais tenté de filer dans l'ascenseur, faire l'autre sous-sol en bas. La suite. Mais... stratégiquement, si je peux trouver une salle qui me permettrait de faire le plein de munitions, je peux pas dire non. Ça se refuse pas, là, parce que c'est dur. C'est vraiment devenu balèze. Putain, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de rien, mais c'est horrible. Mince, pardon. Il n'y a rien. Mais. Sur la tranche, non. Je déconne pas. Non, il n'y a rien. Ah, merde. Je suis sûr que je loupe des chambres secrètes. Mais où sont-elles? Oh là là. C'est redoutable. Ah! Oui! Ah, c'est une combinaison. C'est mieux que rien, mais... Ah. Les mines. J'aimerais avoir des munitions classiques, ce serait cool. Ah! J'aimerais avoir la salle où il y a les murs qui sont pleins de réservoirs de balles. Ah merdoum. Parce que pour la suite, je suis vraiment dans le mal. Hein. Je la sens pas. Bah, j'avais déjà fait ici, c'était rien passé, à mon grand regret. Je crois que j'avais fait côté corridor aussi. Alors, bon, y a... Alors pardon de la vue que je vous offre qui est gerboton, mais je suis obligé de coller mon pif sur les murs pour essayer d'en faire pousser un. Donc ah, je suis deg. Je crois que je peux pas faire mieux. Attendez. Non, je suis pas du bon côté pour reprendre l'ascenseur. Ah tant pis. Allez, on se barre en bas. Ah là là. Voilà. Il y a 66%. Ça veut dire qu'il y a... sur les trois passages secrets, il y en a un que j'ai pas trouvé. C'était peut-être le meilleur que j'ai loupé. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, 51. Oh la vache. Waouh. 51 aliens à dégommer. Dur. Et j'ai toujours pas retrouvé de lunettes spéciales. Oh. Autant dire que je suis à poil là. Je suis en train de me livrer à l'ennemi. Alors c'est bien, le premier m'a donné des piles. Ah, le deuxième aussi. Ah, c'est cool. Là j'ai refait le plein de... C'est très très cool. Bon, ça va. Lui, par contre, il m'a rien donné. Oula, j'ai réveillé du monde. Oh non, il me redonne rien. Je l'ai mal joué, là, par contre. Whoop. Whoop. Je bouge plus, il y a du monde qui arrive. Ouais, il y a du monde qui arrive par là. Merde. T'as pas de bol ce matin, empêche SDR. Pas de bol du tout. Oh la vache. Oh la vache.
Oh non, il y en a en armure. Je l'entends. Ouais, oui, il me bute. Alors là, dans une configuration de pièces aussi exiguë, me taper un char d'assaut sur pattes, va falloir jouer de la mine. Là, je suis obligé. Ouais, c'est pas la fête, ouais, bah ouais, au niveau de la pêche, dur. Là, il va falloir que j'ajoute stratégie, les amis, avec les mines. Sinon, je m'en sortirai pas. Le jeu va m'en faire baver. Bien, il me donne pile sur pile. Ça, c'est cool. Alors. Ou ils essayent de me prendre à revers. Oh les malins. Oh les malins. Si vous avez bien lu le radar, ils ont essayé de me prendre en sandwich. Oh, ils me donnent rien les salopards. Ils ne me donnent rien. Là, ce qui est pas cool, c'est qu'il va y en avoir un en armure. Là, je suis en train de gâcher mes munitions. Voilà, j'ai... Oui, bien, j'ai posé la mine où il fallait. Oui! Oui! Ouais, je l'ai... La mine a fait son boulot magnifique. Magnifique. Putain, il me reste plus rien en vie. Il me reste plus rien. Il me reste plus rien. Putain la vache. Il me reste 2 points de vie. Wouh. Ouais les chenapans, ouais ouais. Non non, surtout pas foncer dans le tas. Ah non non non, j'y crois pas du tout. C'est la mort assurée, si je la joue pas stratégie, il faut toujours avoir une solution de repli, sinon t'es foutu. Non, non, l'intelligence artificielle, elle est bien foutue. Ça me fait rigoler de voir le portrait de Chris renversé en bas de l'écran. Waouh, wow, il m'a snipé là, le démon m'a snipé. Alors là, je vais faire une lecture au radar. Ouais, ouais. Là, ça fait peur. L'autre, il arrive sans se presser. Ouais. Vive le radar. Oh bordel. Je l'ai très bien géré. Ouf. Oh les salopards, ils m'ont rien donné. Rien. Oh. J'ai pas eu une batterie. Ah, lui il m'en a donné. Mais je me fais buter. On avance, hein. Honnêtement on avance. J'ai sauvegardé entre temps, je vous rassure. Mais j'ai eu le réflexe. Mais c'est chaud là. On est très loin de la promenade que je me faisais dans les 10 premiers niveaux. Vous aurez remarqué. Là c'est vraiment les extraterrestres qui ont l'avantage. J'essaye de les provoquer. Merde. Oh merde. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont fous, hein. Pour l'époque, franchement, l'intelligence artificielle, elle est bien. Je me demande même si l'intelligence artificielle ici est pas meilleure que dans Doom. Bon, Doom, c'est plus complexe, je reconnais. Mais franchement, le défi, il est balèze.
Si, il y en a un qui bouge là-bas. On le voit là-bas au loin. Il y en a un qui est en train de me chercher là. Voilà. Il y en a un autre qui arrive par là, qui a changé d'avis. Merde. Je gère mal mes munitions, bordel. Je sauvegarde parce que là j'ai bien progressé. Voilà. Ah merde. J'ai sauvegardé, c'est pas grave. Hein. On progresse. C'est chaud. Oh oui. Putain la vache, une recharge, je dis pas non. Oula. Je dis pas non à la recharge. Il y en a dans le coin. Ouais, c'est pas mal au niveau énergie. Non, il y a personne. Je me méfiais du recoin. Oui, je peux la prendre. Ah, il y en avait même deux d'affilée. Je suis passé de 400 à 800 d'armure. C'est très bien. C'est très très bien. Y a rien. T'oses même pas toucher les trucs dégueux au mur, quoi. Le mur est devenu vivant. Attention. Ah les salopards, ils me donnent rien. Ils me donnent rien. Mais j'allais dire, ils me tournent le dos. Ils me tournent le dos, le vilain pas beau. Alors, hop là. Oui, ça c'est bon. C'est stressant. Ouais, les chocottes, hein. Ça donne les chocottes le jeu là. C'est pour ça que j'aime bien. Ah, je me suis fait des soirées frissons quand j'étais ado sur ce jeu. Ou jeune adulte. Moi j'étais ado, j'étais encore ado, j'avais pas 18 ans quand j'ai joué. Ah, mes belles années. Malheur. Montre-toi, vilain. Montre-toi, démon. Comme les jeux d'horreur. Apparemment, je l'ai liquidé. Oui. Oh, sphère d'invulnérabilité, ça peut être intéressant. Ils sont encore 17. Mais j'aimerais avoir la carte, moi, stratégiquement. Ça m'aiderait à mort de l'avoir... Ah, là encore, il y a une chambre de... pour se régénérer. Donc c'est bien. C'est pas la vie qui manque, c'est toujours les munitions. Les munitions, c'est sniff. Sniff. Oh là là, la taille de la carte. Non, mais c'est pas possible, il doit y avoir un... Hop. Je regrette l'ouverture de cette porte. Oh putain. Oh, je l'ai géré sans faute. Sauvegarde. Non, sauvegarde après qu'il ait couru comme un fou, lui, là. Oh là. Le rythme est bon, hein, on progresse bien. Merde, il m'a bien allumé, lui. Merde. Le fourbe. Ah.
Mais échappé. J'ai la guerre. J'ai la guerre alienique. Bon, il y a un mur qui se pousse gluant là. Il n'y a pas un mur qui fait celui qui bouge là, qui s'excite. Hop, 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 hop. Il a failli me faire la peau. Ah bah. Oh, ils donnent rien les salopios. Ils donnent rien. Et je suis triste. Ils ne donnent rien. Et je sais pas bien. Yeah. Qui j'aurais un love de Nike. Chambre de régénération, là, s'il vous plaît. Je sais même plus où est-ce qu'elle était, la chambre de régénération. Merde, elle était où? Bah. Attends. Là j'ai la sphère d'invulnérabilité mais j'en veux pas maintenant. C'est la santé. C'était où? Bah j'ai pas arrivé. Bah. Oh mince là. Je suis en train de me perdre. Est-ce que c'était par ici? Ah oui, attendez. Voilà. Oh. Voilà. Et je me sens mieux. Alors attendez, on va reprendre par ici. Ah non, il n'y a pas de jonction avec la... Oh. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien là, quoi. Au niveau... passage secret. Ça me bouffe, hein. J'essaye de tâter les murs comme un fou furieux en disant ça va bouger. Et non. What is love? Is it a terrible poison which kills you from the inside? Non, y a rien qui a bougé là. Je suis côté tout le mur à pousser, y a rien. Oh là là. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Là aussi il pourrait y avoir des trucs. Il se passe à rien, je suis deg. Hein. Non bah pas dans l'ascenseur lui-même mais... Non mais j'ai déjà fait ça, ça sert à rien. Je suis en train de faire un bis repetita stupide qui sert à rien. Bon, on continue d'essayer de défourailler des aliens. Il en reste 10. Il en reste pas tant que ça. Le problème c'est qu'il faut que je trouve mon chemin. Je crois pas que ce soit par là. Tac 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 tac. Non, la jonction elle se fait là. Ah, leur cellule à nénois là. Une fois que je suis là, le truc opposé il était là. Et c'est là-dedans que je peux les traquer les derniers. Il y a ça.
C'est dingue, je me repère uniquement qu'à la carte. Radar. Voilà. Bon yule. Ça va, il y a tout le monde qui se pointe là. Ah, merci de m'en donner un peu. Ah, il n'y a plus qu'un ennemi. Il est dans mon dos là, enfin devant moi. Floor secured. Yeah. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ils viennent dire bonjour. À leur manière. Aïe, aïe, aïe. Et merci pour le jeu. Mais là, par exemple, qu'il n'y a plus d'ennemis, et il y a le crâne omnipotent qui est pas venu se manifester dans ce niveau encore. Donc, en courant comme ça dans un corridor, tout seul, je pourrais l'énerver et il pourrait apparaître devant moi. Je crois que c'est comme ça que je le provoquais quand j'étais plus jeune. Bon, le problème c'est que c'est aléatoire. Je sais pas ce qui fait que ça... Il se pointe devant moi ou pas. Ou alors il faut rester inerte un petit bout de temps histoire qu'il te donne un coup de frousse. Ah, si seulement je pouvais faire le plein de munitions dans un passage secret là. Bon, on va essayer de tâter du mur. À mon avis, il y aura que quick. Ouais, c'est triste, hein, mais je pars pessimiste. Si je vais au fond du machin là. Au fond de cette zone. Là, tous les murs sont potentiellement amovibles, on va dire. Ah bah, je trouve en dernier la carte du niveau. J'ai pas l'air idiot. Et là, il y a rien, en fait. Oh là là là. Partout, ça peut s'ouvrir. C'est ça qui rend fou. Tout ça, on l'a fait, mais ça bouge pas. Il dit pas que là, il y aurait un... Ah, de voir tout ça ça me rend fou. Il y a sûrement une salle, au moins une énorme secrète. Attends, j'essaie de... Là, la salle là, il n'y a pas un mur qui se pousse? C'est pas possible. Alors heureusement que j'ai le gémissement du gars qui fait quand il essaye de pousser le mur, parce que ça pourrait me mettre dans le doute de est-ce que j'appuie sur la bonne touche. Parce que sinon il se passe rien. Ah mais c'est pas vrai. Dans ces niveaux là, comment on fait pour trouver un secret? Si on reste là. J'espère juste que c'est pas trop gerbotron pour ceux qui regardent. Oh là 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 là. Le jeu est méchant, le jeu est méchant. Le jeu est cruel. Oh là là. Je vais retourner à l'ascenseur, il va me dire que j'ai loupé tous les secrets. C'est terrible. Il va me dire 0% de. Voilà. De zone interdite. Il n'y en a peut-être qu'un seul, hein. Mais je l'ai pas trouvé, ça me fait suer. Ah, je vais regarder mes stats. Est-ce que je recharge le niveau précédent et je m'entête à trouver le... Oh là là. La vie, l'armure, ça va. Ça va, c'est juste que j'ai pas...
Ou alors je sauvegarde dans un autre. Si j'ai un regret, je sauvegarde ailleurs. Je vais sauvegarder dans l'emplacement 2. Je vais mettre 2x pour me faire comprendre que c'est un truc à part. Soixante-quatre ennemis à dégommer, ça va défourailler. Ouh. Ah ouais, non mais là, ça prend des proportions. J'ai raconté plus de rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Surprise. Attends, je vais boire de la flotte classique et pas du café. Écoute, il y en aura peut-être 100 dans le dernier sous-sol. Mais le compteur, techniquement, peut m'afficher jusqu'à 99. Voilà. Oh là là. Alors attends, la porte est fermée, mais... Si je tiens un petit coup pour les alerter, ça... Ah, oh! Le radar ne s'affole pas. Le radar ne s'affole pas. Je vais peut-être poser une mine, tiens. Pour le délire. Hop là. Oh merde! Je me suis pris ma propre mine. Alors c'est peut-être parce que je l'ai posé parmi les cadavres. Ça c'est peut-être la faute stratégique. Alors je pose la mine et je tire après. Et après, surprise! Quoi? Ah, tu poses ce que tu veux. Oh non. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi. Alors... Astucieusement. Voilà. Mais j'ai pas le droit de poser une mine sur un cadavre. Parce que ça correspond à un ennemi, donc ça explose. C'est con. C'est... Je peux pas faire un truc de sadique, de cadavre piégé, j'ai pas le droit. C'est interdit par la Convention de Genève. Ça me fait l'effet là. Bref, du coup... oui, voilà, c'est ça qu'il faut que je charge. Oh... Putain, ma stratégie serait valable. Je suis désolé. Je me souviens même plus qu'elles apparaissaient en rouge, les mines. Bon là je m'en sors très bien, je sauvegarde. Ah, je suis frustré de plus pouvoir poser de mine. Parce que du coup ça me fait économiser des munitions là. Mais je peux plus. Là, je m'en fous, là c'est des balles infinies, c'est des petits flingues alors. Allez, faites-vous plaisir, venez me dire bonjour, va. Je vais peut-être poser une mine, non.
Oh non, même pas. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Ouais, non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû changer de technique. C'était ambitieux, mais ça ne paie pas. La la la. La 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 la. La 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 la. Ah, j'en ai posé une. Cadeau. Yeah. C'est offert par la maison. Je suis désolé, mais là, je m'en sors bien. J'en ai remis une. La classe. Ah, ça pique. Yeah. La technique, elle est bonne. Oui, la gobelin song. Moi aussi, j'aime les gobelins. La 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 la, c'est ça, cours de chant. La classe, au petit flingue. Ça fait plaisir. Bon, bah, est-ce que ça m'ouvrait pas l'accès à un passage secret, ça? Comme je peux tâter du mur. Je vais pas m'en priver, moi, messieurs, dames. Putain, il en reste 47. It's my gumming show. Alors c'est quoi ici? C'est des gros monstres ou c'est quoi? Oh non, c'est encore eux. Oh, c'est le... C'est sous-sol des démons infrarouges. Oh là là. Oh là là, pour le coup, pardon, mais j'ai une perte de motivation. Attention, la bête elle est armée. Ah, ça va faire boum. Tout avec lui dit boum. Et même ses cornes qui sautent. Pour un démon, ça fait ballot. Ah, il ouvre pas les portes. Oui, la peur. La peur a changé de camp. C'est terrible. Un petit peu au canon, là. J'en ai marre d'être au petit flingue. J'en ai marre d'être au petit flingue. Voilà, merci. Bonjour. Allez mourir. Voilà. Oh oh. Oh mon dieu. Ah, on les avait oubliés. Ils sont morts dans l'atroce souffrance. Ah, j'ai mis pas. Donc le mur là se pousse, mais dans le sens opposé. Une fois que t'es dans le corridor. Ah merdoum. Ah merde, ça veut dire que là, ça veut dire que je pourrais pas trouver le... Putain, ce serait où alors? J'ai quasiment plus de vie en plus. Oh 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 oh, attends. On dirait qu'il y a un truc à énergie là. Est-ce que je peux me lancer Oups. Ah oui. Ah oui, oula. Oula, 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 oula. Très intéressant, la salle là. Tu refais le plein, mais il faut faire le ménage d'abord. Waouh. Alors attendez.
Comme quoi, il y a une optimisation de l'ordre des salles à faire. Faut vraiment prendre le temps de lire la carte. Attendez. Pouk. Petite mine. Je suis là. You. Patoune, patoune. Ah, le salopard, il revient pas. Il repart dans le... Et je rappelle que je peux pas marcher sur ma propre mine. Sinon, je pète. Donc, je vais pas me gicler comme un ego. Une fois qu'elle est posée, elle est posée. Alors, faut qu'un ennemi marche dessus. Il est urgent d'attendre. Ah, c'est terrible. Non, non, tirer dessus ne changera rien. Ah, le v'là. Non, il repart. Putain, à mon avis, il est pas con. Il voit là, tu vois, je peux tirer à mon flingue infini, ça passera rien. C'est pas comme ça que ça marche. Et les mines me reconnaissent pas. Donc si je me réapproche, elles me pètent à la tronche. Mais l'intelligence artificielle est fourbe. Hein. Il fait croire qu'il y va, puis il fait demi-tour. Ah, oh, la vache. Il changera pas son pattern. Merde. Donc du coup, bah pas cool. Parce que si j'y vais, boum. Voilà. Ah, merde. Ah, il faudrait que je pose la mine un peu plus avant. Enfin, en profondeur, si je puis m'exprimer ainsi. Attendez. Ah ouais. Ah non, mais total respect pour l'intelligence artificielle. Surtout pour l'époque. Surtout pour l'époque. Ah, c'est au niveau de la porte en fait qu'il ose pas. Ah. M'a fait peur ce con. Oh, oh, le bug. Comme si la porte avait été soufflée. J'ai eu des dégâts de proximité. Alors que la porte était fermée. Et la mine de l'autre côté. Alors ça par contre, ça c'est un défaut. Alors ça c'est une mauvaise surprise. Ouais hein, c'est dommage. Parce que ma technique elle était bonne là. Oh merde. C'est lui qui m'a eu. Non, je vais y aller au gros flingue. Enfin non, j'en ai plus là, je sais plus. Je sais plus. Je suis perdu. Non, j'ai plus de flingue à énergie. J'y peux pas. Ah, merci. Donc, hop là. Voilà. Là, je l'ai bien géré, là. Cool. Je vais déjà refaire le plein de vie. Ça tombe bien, ma musique. En provenance des ténèbres, là. On est dans l'ambiance. On est vraiment dans les ténèbres. C'est raccord là. Je peux monter jusqu'à où mon compteur d'énergie? 200. Re en camion, les nerfs qui montent, envie d'écouter les paroles d'un sage. Ouais, voilà. C'est... Oui, c'est ta dernière journée de service, tu me disais, mais t'as 18h, je sais plus, de tes vacances. Je peux monter jusqu'à 900. Oh. Oh, il a bien fait de pas bouger, lui. J'ai failli les oublier. J'étais là, à m'attendre dans l'ombre.
Non, bah je peux prendre les... Clac, 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 clac. À mon avis, je monte jusqu'à 999. Oui, bah l'armure, je peux y aller à 999 aussi. Ah ouais, cool. Alors je vais pas prendre le dernier parce que je vais le gâcher sinon. Je vais être... Je vais pas optimiser le truc. Mais c'est cool. C'est cool, cool, cool. Donc c'est bien. Là d'avoir les chambres de régénération dégagées. C'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Là, très bien. Je crois que j'essaie de refaire quelque chose avec le sample. Oh, oh. On dirait presque des chœurs à la Hera, je sais pas si vous connaissez. Ou Ameno là. Ameno. Ameno loli. Oh oh. Oh, je suis en train de me dire quelque chose. Je me demande si on n'est pas dans le niveau du portail. Parce que là, c'est un boss. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'un boss vient faire là? Je me demande si c'est pas le portail. Donc on va rentrer dans le monde extraterrestre aujourd'hui, ce serait énorme. Je découvrirai totalement. On va mourir! Ah non, il m'a eu. Ah, ce suspense! Terrible! Wouh! Wouh, wouh, wouh! Ah merde, je crois de ma mémoire que c'est là qu'il y a le portail. L'artefact qui a fait basculer la base laboratoire secret dans l'horreur. Alors lui, pour le coup, il mériterait que je lui dépose une mine. La mine en cadeau. Hop, et je me barre. Oh, même moi, je me prends des éclats, c'est dégueulasse. Et du coup, ah non, il est pas mort. Il est pas mort et il est vénère. Oula. Hop là. Hop là. Il va venir me chercher, je pense. Ah! Vite, tension. Voilà. Il vient ou pas? Ah, ah, ah! Cet idiot, il est mort dans la mine. Bien fait pousser gueux. C'est quoi? Sage boom. Oh! Je suis mort. Non, sûr, le portail est derrière. Il y a le grand portail. À mon avis, je vais provoquer ce boss. Poser une mine, me barrer et faire une autre partie du niveau. Il y a encore des petits à débusquer dans le secteur. Mince, il me remet le générique. Moi, je réagis plus. Là, je suis en train de réfléchir à ma stratégie et de vous l'annoncer. Mais suspense. Donc, je pourrais découvrir du contenu que je connais pas à partir de, on va dire, une petite demi-heure. Ça me plaît bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Coucou. Et je bave. Ouh, il a pas aimé. Il va marcher sur l'autre mine, si tu t'abrutis. Dis-moi qu'il va marcher sur l'autre mine. Ah non, ne me dis pas qu'il reste bloqué. S'il reste bloqué, ça le fait pas. Ah, si, il vient. Oh, il est pas mort. C'est bon. C'est bon ça. Merde, attends, faut que je refasse le plein de vie moi. Oh, je suis fou, je suis à 43 points de vie. Santé, 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 santé. Oui, de l'eau, glou 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 glou. J'ai même pas vu. Merci de me le rappeler. Merci Chris. Glou glou. Mm.
Oui, merci, c'est vrai, je suis à fond dans mon truc. Je commente, mais c'est vrai que ma gorge commençait à s'assécher. Oh, génial, on va faire l'artefact aujourd'hui. Quel week-end! On finit Resident Evil 0. On est à deux doigts de finir l'île mystérieuse, là, égyptienne, Killing Time. Non, mais énorme, quoi. Alors, une petite mine en cadeau. J'en suis là. Alors, c'est des quoi, eux? Oh, c'est encore des... Des diablotins. Enfin, des diables, oui. On peut dire des diablotins. Là, il y a du peuple. J'aurais pas dû tirer au gros flingue. Pas malin. Non, il y a rien là. C'est pas par ici qu'on rentre dans le Schmilblick. Oui, il faut que je regarde. D'ailleurs, je suis en train de regarder mon clavier. J'ai fait ici ou pas? Non, 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 j'ai pas fait ici. Une petite mine! C'est offert par la maison. Oh, c'est encore eux. Ils sont chiants. Bien géré là. Bon, est-ce que c'est par ici qu'on accède au corridor? Oui, prudence sur la route d'ailleurs, Chris. Je suis en train de penser que t'es au volant là. Comme on est dans la période des gelées, sois vraiment vigilant au volant. Alors, il faut rien négliger à ce stade. Allez, venez me dire bonjour. La la la. Encore les mêmes? Encore les mêmes. Hop là. Ah, le radar. Que ferais-je sans le radar? Sur le radar. Diga diga da. Tita tidi douda. Tida didoudi. Oh, vous allez voir que c'est la dernière salle que je vais faire où je vais trouver l'accès au corridor. Le truc qui dégoûte. Ah, un X. Il reste 16. Lentement mais sûrement. Allez, mes petits démons chéris adorés, venez à moi. On connaît la technique maintenant. Et boum, bande d'idiots. Ouais. J'ai chaque bon. Plus que 10. Oh, passage secret, il est où? T'inquiète, on est sur de la petite pluie vivifiante d'armorique. Ok.
Bon, tu m'assures. Je sais plus si j'ai fait par ici ou pas. Non. Oula. Des mines, je pourrais en poser là. C'est la mine faite par la maison. Hop, j'en pose deux, je suis fou. Et boum. Oh, j'ai fait un strike. J'en ai eu plusieurs d'un coup. Pas mal. Elle est bonne. Oh la classe. Comment que je l'allume mon petit flingue. Je n'ai plus peur de vous. C'est vous qui doit avoir peur de moi. Mais... Oh là là, comment je l'énerve. Ah, bon, il m'a rendu la monnaie de ma pièce. Ah, mais je suis content. Ouais, mon gun K2000, là, c'est trop bizarre. Mais elles sont originales, les armes dans ce jeu. Ça fait aussi partie de son charme. Mais, ouais, ça fait bizarre. C'est le flingue par défaut en illimité qui fait pic, pic, pic. Mais le reste, c'est quasiment des armes extraterrestres. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des armes puissantes, c'est cool. Mais des armes à énergie. Donc, il faut les recharger, quoi. Oh, plus que deux. Avec un peu de chance, il n'y a plus que le portail et un boss. Ou deux boss si le portail compte pas pour une entité alien. Mais je pense qu'il compte pour une entité alien, le portail. Mais c'est frustrant, pourquoi j'ai pas trouvé le... Pourquoi j'ai pas trouvé le corridor, je comprends pas. Ou alors c'est dans la fameuse pièce où il y a le portail. Là où tout a démarré quoi, au niveau de l'incident. Alors déjà je vais retourner dans une... On va faire le plein d'énergie là, une chambre de... Bon. On dirait un lecteur de code barre. Ce serait... Enfin, je sais pas si ça pourrait être passionnant, mais imaginez un jeu en 3D comme ça, où t'incarnes un caissier ou une caissière, et tu dois scanner... Oh, ça me fait penser, je rigole sur les FPS, mais... Putain, mais il n'y a rien qui se pousse, il n'y a rien de rien. Il y avait un jeu qui était gratos, il faudrait que je le retrouve. Il était bien, de cette époque-là. C'était un cauchemar en fait. Je pense que le créateur, il a eu le génie de matérialiser en jeu vidéo son cauchemar. T'es dans ce supermarché et c'est infesté d'araignées. Du gabarit de Resident Evil. Et le gros boss, c'est sur le toit du supermarché. C'est la grosse araignée. Et le jeu est bien équilibré, il est balèze. Il faudra peut-être que je le retrouve et que je vous le fasse. J'avais des frissons à l'époque, je m'en souviens. Il était très bien fait. C'était un jeu gratos. C'est un jeu que j'avais trouvé sur un CD à l'époque, les magazines. C'est le boss ultime. Ah mon dieu. Oh là là, on en a déjà affronté un de crâne comme ça. Ça va être un cousin de l'omnipotent là qui nous fait peur de temps en temps. Mais attention, faut pas que je te fasse rire en volant, c'est dangereux. Attends, est-ce que je peux poser une mine? Oula, oula. Message de FunFan 1992, bonjour tout le monde. Boyoul. Oh, il est mort comme un caca sur ma mine. Ça c'est bon ça. Ah, bien joué.
Ah là là. Bon, c'est bien. T'es doux, caissier. Ouais, ce serait un drôle de jeu, mais bon, on pourrait l'inventer. D'ailleurs, ça pourrait se faire assez rapidement. Ah, la bonne blague. Oula, ah oui, d'accord. C'est parce que doit y avoir... Le v'là le portail. Habituellement, je tire dessus. Alors, vous voyez, ça m'a choqué. Alors, attendez, je vous donne une explication. Dans la version disquette que j'avais quand j'étais ado, la version entre guillemets du pauvre, on pouvait pas entrer dans le portail. Moi je tirais dessus et le jeu se terminait parce que le portail explosait et il se refermait. Donc voilà, il n'y avait plus d'invasion extraterrestre. Mais ça c'était la version disquette. Et j'avais mon ami d'enfance Virgile qui me disait à la cour de récré, on était même pas collégiens d'ailleurs je crois, si on était collégien. Enfin bref, il me disait, ah si mais tu peux entrer dans le portail et aller dans le monde extraterrestre machin. Et je croyais qu'il me racontait des cracks, des bobards quoi, il se foutait de ma poire. Et j'ai découvert donc récemment que non, il y avait deux versions. Et mon copain avait la chance d'avoir la version CD, le Vénard, le Luxe. Et là je vais découvrir avec vous la version CD, puisque je n'ai connu que la version disquette. Donc là on vient d'entrer dans le monde extraterrestre. C'est fou. Non mais c'est pas grave, Fun. Tu viens quand tu veux. Je te l'ai dit, Fun. T'as pas à te justifier en disant j'arrive à telle heure. C'est bien, tu t'es fait plaisir si tu t'es regardé du catch. C'est très bien. Ah là là. Donc voilà pour l'explication. Alors j'ai pas trouvé le corridor dans le niveau précédent. Merde. Doom, pardon. Oh mon dieu! Ah! Pourquoi je me fais bouffer? Je me fais bouffer! Par quoi? Ne me dis pas qu'il faut gérer l'oxygène. Je suis mort, j'ai pas compris. Et j'ai pas de lunettes spéciales, ça la fout mal. Ça la fout mal. Attends, je suis dans le niveau précédent. Si je suis dans le niveau précédent, il faut que j'aille chercher un passage secret là, parce que... Ah ouais, attendez. Attendez. Là, je suis dans la catastrophe. Au niveau du jeu. Non, il faut que je trouve un passage secret là. Faut absolument que je trouve le corridor. Oh, où est-ce qu'il est? Il faut que je me retrouve des lunettes infrarouges là parce que je vais me faire avoir en beauté. Là je suis dans la mouise. Alors je suis désolé mais je vais devoir tâter du mur. C'est pas ce qui est le plus passionnant pour vous, mais moi stratégiquement je suis obligé là. Parce que... Alors que je dis ça, la carte a pas l'air d'être généreuse en... Pardon, en salle secrète. C'est embêtant. L'enfer. Même l'ascenseur de départ, je suis en train de me dire, j'ai peut-être en fait de l'espace pour avoir une salle planquée. C'est pas impossible. Oh, y a rien. Attends voir qu'on retourne sur l'ascenseur. Attends.
J'avais pas un truc. Ah non, 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 non. Ah ah ah! J'ai rien dit! Oh putain. Non, là, là, les barrières plus, on en a par contre. Mais oui, il est où le corridor là-dedans? Tout a l'air d'être parfaitement symétrique. Ou alors, ce serait à l'opposé du portail qu'il y aurait éventuellement symboliquement un passage secret. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Alors, oui, fun fact, je réponds pour Chris, il va bien, mais attention, il est au volant. Donc, il peut pas toujours répondre. Il est en train de conduire, il s'apprête à prendre son service. Au niveau au taf. Je vois pas comment on rentre dans le corridor et je vois pas ce qu'il peut me donner le corridor en fait. Je suis dépité quelque part parce que... Je lis la carte là, je suis en train de regarder le niveau mais... Je vois pas. Je vois pas du tout. Oh là 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 là, je sauvegarde là, mais l'enfer quoi. Et hop, on rentre dans le portail. Ouais, il me dit qu'il y a un secret que j'ai pas trouvé. C'est le corridor. Mais j'ai pas trouvé le bon mur, c'est chiant. Mais oh là 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 là. Et je... Oh! Il y a un truc que j'ai pas capté là dans le monde extraterrestre. Ouh, ça va être chaud bouillant là. Alors attends. Oh. Oula. Oula. Oula là. Oula là. C'est téléporteur pour téléporteur, c'est la folie là. J'ai une carte ou pas? Ah oui, si j'ai une carte. Dans ce monde extraterrestre de fou, j'ai une carte. Oh, ça faisait longtemps, je les avais oubliés. Attendez, je sauvegarde ailleurs parce que je suis en vie. I'm alive. EXT pour monde extérieur. Voilà, 3 EXT. je me comprends, comme on dit. Ah. C'est quoi ça? C'est un portail cassé? Hein? J'ai changé de niveau là? Ça va trop vite! Ah bah oui que je suis con! Ça peut pas être un ascenseur conventionnel puisqu'on n'est plus sur Terre. Je me suis barré de la Terre à partir du portail, là je suis sur une autre planète en fait. Où je suis dans un vaisseau extraterrestre. Waouh, science-fiction. Cette science-fiction de fou. Je découvre. Je découvre totalement. Énorme. Ah, ils sont 25. Ah, ils sont pas nombreux dans leur monde. Wow. Non, c'est pas un vaisseau, ou alors c'est un vaisseau organique. On peut imaginer un vaisseau organique. Oh, oh. C'était quoi?
On aurait dit un mini ennemi suspendu comme un macaque. Mais le cri était bizarre. Ne dis pas que c'était un humain. Ce qui a été fait prisonnier et ramené dans le monde alien. Enfin ramené, amené. Je flippe. Non, non, c'est bien un alien. Nouveau, mais c'est un alien. C'est des aliens qui n'ont pas franchi le portail, eux. Ils sont restés à la maison. Stylé! Et j'aime bien le dessin. Trop bien. Oh! Je les avais oubliés, eux. Vous vous souvenez? Les gros gneugneux du début. Enfin les gros gneugneux, non, les petits. Ouah, trop bien. J'adore ce jeu. Je suis fan. Extraordinaire ce jeu. Oh, j'ai déjà plus d'énergie de... Mais oui, c'est vrai ça. Oula, je suis poursuivi. Non, non, il faut que j'essaie d'y aller au petit flingue parce que j'ai plus de recharge, moi. Oula. Oh! J'ai pris un téléporteur sans le vouloir. Mon Dieu. M'a fait peur, ce con. Oulala. Là là. Y a rien? Y a pas de... Est-ce qu'ils connaissent les passages secrets des extraterrestres? Est-ce qu'ils connaissent ce concept au moins? Je les avais oubliés. What? Les antennes satellites. La vache. Alors, je sais pas quoi en conclure. D'avoir les décors qui étaient communs à sur Terre. Est-ce que c'est les terriens, dans le plus grand secret, une partie de l'armée américaine qui a essayé d'investir le monde extraterrestre et c'est nous les agresseurs? Ou est-ce que c'est le contraire? C'est les extraterrestres qui ont vraiment pris leurs aises. Et en fait, le matos qu'on avait vu dans le dit labo secret, c'était du matos qui avait été déjà installé et déposé par les extraterrestres quand ils sont installés sur Terre. C'est... Je sais pas ce que dit le scénario, mais ça se tient. Non mais là on est sur une planète là. M'étonnerait que ce soit un vaisseau organique. Mais ça reste plausible. Ça reste plausible. Y'a pas de passage secret, rien. Putain, mais des passages secrets, il peut y en avoir partout avec ce genre de dessin de cartes. C'est tellement détruit là comme... Oh là là... Partout je vous dis. Donc il faut que je sache que le téléporteur rouge, ça me téléporte irrémédiablement à un point de non-retour. À un autre niveau, techniquement parlant dans le jeu.
Mince, je commence à me fourvoyer. Il reste 9 ennemis, hein, je précise, hein, par rapport au compteur. Oui, non, là, il n'y avait rien. Et là, donc, j'avais fait ce qu'il fallait faire. Mais, faut que je remonte sur... Enfin, que je revienne sur mes pas. Parce que remonter sur mes pas, c'est un concept. Putain, mais c'est terrible. Il pourrait y avoir des passages secrets partout, là. Oui, trouble. Nous sommes en trouble. Non, non, il n'y a pas de passage secret. Il pourrait y en avoir partout. Oh, 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 j'ai excité du peuple, là. Et maintenant, je vais garder mes mines pour les... Oh là, attends, il y a du monde, là. Comment ça? Oh, oh, oh. Oh, il a failli m'avoir. Oh, oh. J'ai du bol qui m'est pas touché parce que je l'ai pas vu. Il aurait pu me cueillir comme une fleur. En parlant de fleurs... Oh non. Lui, c'est un lambda. Mais il faut que je garde mon flingue à énergie. Il faut que je garde mon flingue à énergie. Sans déconner. Hop, 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 hop. Lui, qui meurt là. C'est bien. Il va m'indiquer la sortie par son cadavre. C'est horrible, mais ça va me donner un repère. Il était où? Qui dit que quoi, comment, qu'est-ce? Ah, il était là. Flora secure. Flora secure. Mais y a-t-il des murs coulissants dans ce monde alienique? Alien. Attendez. Il y a un truc que j'aimerais vérifier sur la carte. Je suis pas allé par là-bas. Je me souviens pas. Mais non, mais les passages secrets, ils peuvent être partout, là. Là, on a une énorme surface de non explorée, exploitée. Merde! Je suis allé dans le... Tant pis. Dans le prout-prout. Dans le téléporteur. Oh, merdoum. Ils sont 38, là. Ok. Oh, ce dessin de carte. Alors, je vais sauvegarder un autre emplacement. Parce que si je suis vraiment dans la panade, je referai un truc rétroactif, histoire de m'en mettre plein les couilles, c'est-à-dire d'être armé à la Rambo si j'en ai besoin. Si je me retrouve à poil, ça va pas le faire. Ça y est, ça recommence, je me fais attaquer, je sais pas par qui. Merde, mais merde! Mais c'est quoi ce bug? Bon, j'ai pas capté là. Ah là là, Virgile, Vénard, et dire qu'il est à jouer à l'époque et pas moi. Ouais. Ah là là. Personne ne bouge. Ça, c'est trop bizarre. En fait, ça doit pas être des soldats à la base. Ou des petits gardiens. Donc ils sont coriaces, les petits gardiens, parce que là. Ah, oh. Je me suis fait cueillir. Merci pour les clips. Mais t'as pas besoin d'annoncer les clips fun fan en disant j'ai fait un clip.
Tu peux soit balancer voilà le lien directement, il n'y a pas de souci, ou tu me le déposes dans le Discord comme tu veux. Parce qu'à chaque fois que tu dis j'ai fait un clip, je le verrai de toute façon, t'en fais pas. Merci à toi. Tac. A plus, Chris. Merci d'être passé. Ah, ils sont dans le portail. Salopard. Oh la vache. Le fait qu'ils utilisent le porte-téléporteur, c'est vicieux. Flingue à énergie, là ils sont nombreux là. Ça va, l'énergie ils en donnent. Wouh. Wow. Oups. Oups, oups, oups. Non, je suis passé. Oh, je suis passé à côté d'un alien. C'était culotté. Oh, attends, il en reste 20. J'ai l'impression qu'ils sont tous concentrés contre moi là. Ouais, non. C'était du suicide ce que je viens de faire. C'est un réflexe que j'ai dans toutes les chaînes. Ah ouais, de dire tu déclares. Message de FunFan 1992 @ChrisGolgut, il s'en va. Ouais. Bon dimanche à Chris. Ouais, c'était sympa à lui d'être passé. Attends, je vais revenir sur ma position parce que... Ou alors, est-ce que je peux les feinter? Non. Quoi? Pourquoi je me fais bouffer? Je perds de la vie de temps en temps, mais je comprends pas pourquoi. Là je récupère pas de... Je récupère pas de vie, c'est pas cool. C'est pas cool. Wow, cet enfer. Attends, il y a un téléporteur. Mais... Ah ouais. Ah merde, il y a un... Mais... Pourquoi je me fais attaquer? Je comprends pas. Il doit y avoir des trucs quoi, en infrarouge. Mais... Bon. Dur. Vache. Ils sont encore 17 les salopions. Là j'ai un malheureux humain qui a très mal fini. D'ailleurs eux maintenant ils ont carrément la jambe coupée. Parce que j'ai épuisé l'énergie de mes lunettes. J'ai plus de recharge. Alors ça c'est cool par contre.
Adrenaline boost. Oh putain. Oh putain. Où est-ce que je suis tombé? Ah non, ils ont pas de corridor. Mais non, on est dans un monde alien, c'est pas logique, j'ai envie de dire. Non, non. Alors, ce téléporteur, il est où? What? Je suis où? Ah, bah, je suis sur le fameux... où je me mange de la... Je sais pas pourquoi. Ça m'a bouffé de la santé, mais bon. Oula. Au moment où je me dis je vais faire des économies. Oula là. Remarque, je m'en sors bien. Je vous lirai après. Action là, je suis désolé. Il est où? Il est là. Un alien pour en cacher un autre. Wow! Mais il défile là! Vache! Merde, il y en a d'autres. Attends, on dirait un ascenseur humain. Je vois un truc en bleu derrière. Hop, hop, hop. Wow, je l'ai bien géré. Il reste plus grand monde. Quand j'aurai fini de le programmer, le compteur. Pour le moment, ce week-end, il va rester inactif. Mais... ça m'énerve. Ok. Oh, un tympan américain. Ok. Un petit problème là, je crois. Le drapeau américain. Attends. Waouh. On nage en plein délire de science-fiction. Là. Sans déconner. Gros gros délire de science-fiction. Ouais ouais, le drapeau sur la Lune. Sauf que l'artefact, lui, a été trouvé sur Mars. On est dans le futur, on est en 2000 et quelques... On est en 2060, je sais plus. Un truc dans le jardin. Ah, ça c'est le... pour passer le niveau. C'est le grand portail, machin. Mais... il m'en reste deux à zigouiller. Ouais, ils sont là. C'est des quoi? Des gros gnugneux? Ah ouais. C'était des gros gnugneux. Gros gnugneux. Wow. Non, il n'y a rien de toute façon, le machin là. Oh, est-ce que je peux me promener à... Il mène où celui-là? Putain, je me prends des dégâts quand je me promène de manière lambda là. C'est chiant. Oh non, il y a un truc dans l'autre d'à côté. Il y a un truc bizarre dans celui-là. Faut que j'aille voir. Wow. Oui, j'ai l'air, celui-là il a pas une forme régulière. Qu'est-ce que c'est que ça?
Wow. Oh, Kizako. Alien Plasma Rifle. Attends. C'est celui-là, non? Non, c'est celui-là. Ah, c'était peut-être celui-là. Non, bah c'est bien, j'ai de la recharge du coup. Tant mieux. Tant mieux. Oui, donc il n'y a pas de... Non, il n'y a rien en passage secret. Des bebe. D'accord. J'ai pas compris l'intérêt de la téléportation. Je suis limite à jouer avec les téléporteurs à la Mr. Bean. Le mec il se tape un délire tout seul. Non, mais faut que je le prenne dans le bon sens en fait le machin. Voilà. Il y en a pas un qui me donne une pile électrique là, Alien. Oh les vilains. J'ai des vilains. Bon, bah on va passer à la suite. Si je peux. Attends, je l'ai pas fait la salle là. C'est quoi ça? Non, c'est un téléporteur prout. Bon, bah on change de niveau. Restrict area, 0. Je trouve pas les passages secrets, c'est terrible. C'est terrible. C'est quoi ce début de niveau? Mais c'est horrible. Ça se fait pas de faire démarrer devant un ennemi d'entrée de jeu. C'est dégueulasse. Ah, ce qu'on vous aime, c'est ça. Hop là. La carte, je vous prie. Parce que du coup, je sais plus où je suis. Non, je suis pas là où il faut être. Mais, tu vas me laisser revenir là où je voulais être? Mais! Oui, que j'ai le bon flingue du coup. Question, ça va pas le faire. Comité d'accueil. Blam blam blam. Oh la vache. Oui, évidemment ça s'excite. Bam 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 bam. Ah, y a rien là. Oh. Oh. Ah. Attends. Ça m'intrigue trop les trolls là. C'était un ennemi ou c'était un humain qui devait être sauvé là? Ça me perturbe. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ça me perturbe. C'est terrible. Parce qu'il est petit, il est chétif. Et il crie comme un humain. Il fait ah. J'en ai buté un précédemment. J'aurais peut-être pas dû. Alors j'ai pas vu si mon compteur d'alien a bougé. S'il a pas bougé, ça veut dire que c'est un humain, il faut pas que je le bute. C'est troublant. Attends, on est à 35 ennemis. Oh, c'est un ennemi. C'est bien l'ennemi. Ok. Non. Bon, maintenant je suis sûr. Mais j'avais un gros doute quoi. Ah c'est le fait qu'ils aient associé un cri quand il meurt.
qui... Ça m'a perturbé. Ça l'a humanisé, j'ai envie de dire. Ah. Je suis en train de perdre de la... des ressources précieuses là. Je vais essayer d'y aller au petit flingue. Oh! Ah, ils sont chiants, il va pas me donner de la pile lui. Je veux de la pile aliénique. Ok. Dans quoi j'évolue là? Wow! Un alien peut en cacher un autre. Ah, il me donne pas de pile hein, les salopards. Bah, une sphère d'invulnérabilité, ça peut être cool. Mais il faudrait que j'ai des ennemis qui me tombent dessus quoi. Là c'est pas le cas. Alien sound, ça tombe bien, le son alien. On est en plein dedans. Oui, c'est, ça fait trop flipper. Oh, j'ai plus rien en vie, je suis dans la mouise. Je vais crever. Donc un peu de chance, il y a un mur qui coulisse. Non, y a pas un mur qui se pousse. Putain, mais il est horrible ce jeu. Ce jeu du sadisme. Deux points de vie. Où est-ce que tu veux que j'aille avec deux points de vie, moi? Je suis mort. C'est un moyen des extraterrestres de te tromper. Ouais. Ils sont rusés. Vache, dur. C'est d'être sans ressources qui est angoissant. Voilà. Le jeu a crash. Ah écoute, on est à 1h30 de ton direct. Je me demande si je vais pas changer un peu de jeu. Parce que là, on a bien avancé. Je m'en garde un peu pour une autre fois. Attendez voir. Est-ce que je retourne encore dans le Vroom Vroom Colin McRae? Pourquoi pas. Je réfléchis. Ouais, je crois que je vais rallumer la PlayStation, mais je l'ai éteinte là. Enfin, je l'ai débranchée. Faudra que je la rebranche. Je vais vous mettre les clips en attendant. Attendez, je coupe ma musique. Et je vous mets les... Pour vous faire patienter la compilation de clips. A tout de suite, hein, je reviens dans 3 minutes. C'est... J'ai démasqué. Je suis complètement masqué par mon alerte. Mon alerte qui ne se barre pas de l'écran. Barre-toi l'alerte. Tu me masques.
Bon, bonjour Cyber Jojo. Je suis ravi de te voir. J'espère que tu vas bien. Oh là là, c'est la folie. Et voilà, sabotage. L'alerte ne se barre pas. Bah alors, les alertes, elles sont censées durer graphiquement que 30 secondes. Pas squatter mon écran. Ah, ça y est, c'est barré. Alors ça, il faudra que je corrige. Il faudra que je me... Ah, j'ai pas pris de crayon. J'ai pris le papier, mais... Ah si, j'ai un crayon de feutre. Merci, tout plein. Niveau 2. Oh la vache, t'as vu le truc, toi? Ouah. Je peux pas prendre le plan, c'est dommage. Moi, ça tiendrait qu'à moi, j'arracherais le panneau, je le garderais pour moi. En plus, ça pourrait servir de bouclier. Eh, les mecs de l'escouade, vous avez pas fini de jouer avec les portes, là? Bande de sales gosses. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe. Ah ouais. Bon, l'interrupteur là, je l'ai fait. Ah là, là. Ok. On se calme. Cessez le feu, drapeau blanc. Always the sun, always the sun. Always, always, always. Oui. C'est quoi cette cavité? Oh oh! Wouah! Wouah! On a pas sorti Renan! On a pas sorti Renan! Va des rétros, des rétros, des rétros, des rétros, des rétros! Oh! Oh la vache! Vous ne voulez pas partir entre nous. Ah bah tiens, ça tombe bien, justement, on va y jouer. Tac tac. Voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup. On traîne. Ouais, on va faire un peu de rallye aussi. Alors on voit que j'apparais en clair, presque une apparition. En fait, il y a un superbe soleil sur Nancy. J'aurais dû ouvrir les volets plus tôt. Le soleil est magnifique aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oula, faut que je me mette en plein écran moi, sinon je vais pas voir ce que je pilote. Voilà. C'est cool. Ah, est-ce que je continue la carrière ou est-ce que je me fais un mode spécial? On a une grosse heure devant nous là. Oh. Et si je sortais un peu de la carrière. Je vais peut-être me faire un championnat, mais de je sais pas quoi je vais avoir droit. Cependant, j'ai un truc dans l'œil. Championnat. Comment je peux faire mon truc? Reprendre la progression, sauvegarder. Ah, j'avais essayé un truc? Bah non. Je vais repartir d'un truc. Ah oui, j'abandonne. Je vais partir d'un truc tout neuf. Dans le championnat. Attendez, qu'est-ce que je m'étais programmé? Parce qu'entre temps, j'ai dû me débloquer des trucs. J'ai avancé en carrière. Comment ça, classement final? Je m'en fous. Ah bah oui, c'est du Colin McRae, ça peut être que du rallye en fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que... Alors attends, si je fais l'autre mode, si j'ai un rallye mondial, j'ai le droit de la discipline. Contre la montre, une épreuve simple ou une course simple. Ah, rallye cross, rallye raid, j'adore les rallye raids. Les épreuves spéciales, les rallye raids. Il n'y a que États-Unis qu'on en fait. Donc j'ai envie de dire un peu dommage quoi. J'ai quoi? J'ai trois tracés différents. Et j'ai trois catégories de bolides, dont les camions. Ah. Ouais, j'ai les peintures, j'ai le nombre de tours. Ok. Bon.
Je reconnais que faire un rallye championnat, je dis pas non. Alors, national ou européen? Parce que sinon, j'ai l'Italie, l'Allemagne, que je peux me faire. On va se lancer dans l'européen, on va prendre... Allez, Zou, faisons le rallye d'Europe. 18 épreuves et 3 spéciales. Mais c'est génial. Au niveau contenu, avec la beauté des étapes. Ah ouais, je demande un long, ouais. Joue en club, en pas difficile, mais... Ah, puis j'ai le choix de la catégorie, dis donc. Ah, génial. Oh, en classique, en Celica. Oh, en Stratos aussi, c'est pas mal. Oh, en Celica, je résiste pas. Sinon, par défaut, ouais, là, en version noire à veau. Non, l'historique Castrol, je l'ai déverrouillé, et oh. Je suis vilain, je me mets en par défaut, ouais, je fais pas de réglage. Pardon, alors tu m'as dit un truc, les créateurs sont les mêmes qui font les jeux F1 aujourd'hui. Et bah ils peuvent, vu la qualité, ils peuvent. Ah non, vachement bien. Tiens, je vais peut-être boire un peu de café, il m'en reste un peu. Il m'en reste un peu. Oh. Pour un jeu de rallye, 184 km/h, c'est waouh. Quand j'aurai atteint la barre des 200 km/h, c'est qu'il y aura une énorme ligne droite. Hein. Ah bah ça me plaît bien, dis donc. C'est beau, on entend les oiseaux. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai mal remis mes oreillettes. C'est limite si elles vont pas tomber de mes oreilles. Ouais, je suis en mode tondeuse à gazon. C'est beau. Message de FunFan 1992. Tu sais que les créateurs de Colin MC Ray, ils ont été rachetés par EA. Electronic Arts les a rachetés, d'accord. Ouais bah à la vue de la qualité du boulot qu'ils délivrent, c'était tout génère quoi. Ils rachetaient les meilleurs. Ils rachetaient les meilleurs. Parce que je pense qu'à l'époque, quand il est sorti, c'était le top du top, hein, le MacReadert. Il a dû avoir un score de fou furieux en notation. Il est superbe. Faut pas que je passe trop l'intérieur, on est dans les bois. Là, vous voyez, j'ai l'impression de faire une promenade avec vous. J'adore. Ouais, voilà. Elle part en anguille. Ah, c'est chiant ça. Faut la stabiliser après, vas-y. Attends, pause. Ça me dérange vraiment. J'ai mal mis mes écouteurs. Ça, voilà. Faut pas que ça bouge dans le pavillon parce que ça me bouffe. 150, crête 40. Oups. Crête 40, droite 5. 150. Gauche 6 sur crête 80, droite 2. 60, bosse 150. 4 vers gauche 3 et droite 2 gauche 2 60 gauche 3 100 long droite 4
tube vers droite 3, continue. Et gauche 3, 150. Droite 6, sur pont se resserre. Hop 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 hop, du danger de la haute vitesse. Et ben j'ai eu du bol de pas m'être arraché une roue. Ah bah je suis sixième, ça va. Super pilotage, bon résultat. Ah bah le ralenti va être beau. Ah oh, les fougères. En virtuel comme en vrai, j'adore les fougères. Je me souviens même qu'en japonais, ça se dit Shida. Alors que le gazon, c'est Shiba. Ouais, vroom vroom, poita poita. Moi, ce qu'on veut dire, c'est... Enfin, c'est dommage. Il y a toujours l'occasion des rediffs, mais je pense à Chris. Je pense qu'il aurait bien aimé aussi la musique rock du jeu. Enfin, il a déjà entendu, vraiment. Ouais. Ouais. Les gens tempérés sont des types herbacés, mais ils existent dans les régions tropicales, qui croient jusqu'à atteindre la dimension d'un arbre. Putain, ça doit être stylé. Non, puis il y a le côté des spores au niveau de la reproduction des fougères, les petites poches de poudre qui sont sous les feuilles. Et ça, faut pas être allergique. Hein, parce que quand tu laisses couler et que ça se libère, t'es gazé en fait. Mais ouais, non, les fougères, j'aime bien. C'est même marrant d'ailleurs pour l'anecdote que j'ai fait arrêt de ma lecture au niveau de ma musique sur l'explorateur de la Terre. Parce que pour un jeu de rallye, c'est une forme d'exploration. Oh. D'accord, ok. Sans le savoir, en fait, j'ai roulé là où il y avait la caméra virtuellement parlant. Je me disais, mais pourquoi faire un écran noir? Alors, j'ai pas fait gaffe sur l'opus là, enfin l'opus là, le simulateur là, mais dans un autre simulateur au nom d'un autre grand pilote automobile qui est, ça y est, je l'oubliais, il y a Colin McRae, il y a... Richard Burns Rally, quel que soit le niveau de difficulté que vous choisissez dans le simulateur, quand vous percutez dans le décor un spectateur, un humain, c'est fini, le jeu s'arrête. Vous avez renversé quelqu'un, vous êtes éliminé. C'est terrible. Hein. Donc comme il simule les foufous qui font les idiots à traverser la route juste au moment où tu arrives, toi t'es au volant, ça te fout le stress, les boules. Mais j'ai trouvé ça, cette intégration, oh la vache à portière, super intelligente. Parce que aux passionnés, ça leur fait prendre conscience du danger qu'ils prennent, du risque qu'ils prennent à faire les fous devant les pilotes qui sont à bord de leur bolide. Et je trouve que c'est vachement bien pensé.
dans Richard Burns Rally. Mais là, apparemment, je pense pas que ce soit le cas. Bon, j'aurais pas le droit à des réparations normalement, puisqu'on passe directement à l'étape 2. C'est par l'autre deux étapes qu'on a le droit aux réparations. Vous savez quoi? Je me demande si cet après-midi, en gros, je reprends une antenne de 16h à 18h, en gros, je crois. Si je vais pas essayer le mode spécial de Resident Evil 0 cet après-midi. Le coup des... Ça me plairait bien de la retenter. Le coup des 100 sensus. 200, gauche 3. Et peut-être que je continuerai sur ça, on verra. Ça me plaît bien comme programme. Oui. Tu m'as même annoncé la chicane trop tard. Parce que j'ai flippé, j'ai vu un truc. Du coup, je fais n'importe. J'arrive plus à la stabiliser, la voiture. Merci, monsieur le copilote. Oh la vache. Ah, ça m'a fait flipper. Je me disais, là, je prenais une telle vitesse que si je me loupe, je suis mort. Sur la route. D'accord. Oups. 200. Crête gauche 6. 100. Droite 2 et gauche 4. Oh oh oh. Comment j'ai pilé. Merde, désolé pour le panneau. J'arrête de leur nier dedans. Continue vers arriver. 7ème. Bon, on a terminé, c'est ce qui compte. Pas si mauvais que ça, hein. Ouais, bon appétit si vous êtes à table. Ouais, il est déjà midi.
Ce midi, je vais me faire du... Dans une heure, je vais me faire du poisson au riz, là. Surtout que j'ai pas pris de petit-déj, c'est pas bien, une nouvelle fois. Mais je vais me régaler. Ça tient de la bulle, en plus, le poisson au riz. Non, la pizza, il faut pas que j'en mange trop, c'est pas bon pour la santé. Et encore, elles ont beau être industrielles, celles que j'achète, je vous cache pas, elles sont chez Thierry. J'ai interviewé pas très dans chez moi à pied. Ils ont pas mal de recettes déjà par rapport aux autres grandes distributions. Au saumon par exemple, j'aime bien. Au fond de la mer, tout simplement. Au niveau du poisson. Enfin, au fond de mer. Qu'est-ce que je pense que je veux dire? Non, pizza, faut pas trop en manger. Donc ça reste presque exceptionnel. Donc, si t'es vraiment accro à la pizza, il faut essayer de faire en sorte d'en manger une par semaine, pas plus. Et d'équilibrer les repas, quoi. Parce que rien que la base en pâte, je pense que c'est gras. J'ai pas trop conscience de ça, mais ouais, faut que je fasse gaffe au niveau du cholestérol. Non, un bon, la chance de pouvoir m'offrir un bon pavé de poisson là avec du riz, ça cale bien au mythe, ça tient chaud. Je voulais vous dire spontanément quelque chose, mais je sais plus. Je l'avais en arrière pensé quand je pilotais là, et maintenant que je suis dans ma, c'est maintenant que je dois parler, je sais plus. C'est tout moi. Ça me reviendra. Ah, c'est une impasse en plus, j'avais pas fait gaffe au panneau. Ils indiquent que c'est une impasse. Une voie sans issue, dans la terminologie exacte. Pardon. Non, attention, une scène. Les speedruns, je les regarde une fois que j'ai fini le jeu. L'Astérite, j'ai pas fini. L'Astérite, je crois que je suis au 7ème ou 8ème mission. Il y en a 10 ou 11, je crois. Non, la mission dans laquelle je suis, elle est chiante parce que c'est avec une unité Fido et c'est le robot qui veut suivre. Donc le rythme t'est imposé. Là en plus il y a des cyborgs qui tirent des roquettes maintenant, donc c'est dur, c'est vraiment devenu dur l'Astérix, mais on finira bien par le finir un jour, comme le Corridor 7 là, que je suis en train de découvrir totalement du côté des extraterrestres. Ah, l'autre avec les vases, c'est Killing Time, c'est Killing Time. Il n'est pas impossible, quand FunFan va jouer là sur son antenne de 13h à environ 16h, libre à lui évidemment de choisir à l'heure à laquelle il va rendre l'antenne, mais s'il veut la rendre. quand FunFan va jouer à Dungeon Siege, moi hors antenne, je pense que je vais reprendre mon Killing Time. Et j'essaie de trouver où sont les trois derniers artefacts. Je vais voir. Je vais regarder. Je vais peut-être même essayer de la jouer une sauvegarde avant que je réveille la momie, entre guillemets. Parce que finalement, stratégiquement, il vaut mieux zigouiller les artefacts avant de réveiller la momie. Qu'elle soit vulnérable, en fait. Parce que moi, je suis allé la voir directement alors qu'elle était immortelle. Donc, c'est mal barré de ma part. Et voilà quoi. Mais parce que si je vous le fais à l'antenne, je vais tourner en rond, ça va vous agacer, ça va pas être top. Alors réparation des dégâts. Attendez, je me concentre. Nettoyer la voiture, je m'en fous un peu. Excusez-moi un peu. Ah, la boîte de vitesse, merde. Ah, comment on fait? Ah, c'est carré pour réparer. Alors, il me reste 40 minutes.
Qu'est-ce que je répare qui est vraiment endommagé? Les roues, il y en a pour 5 minutes. Oui, la carrosserie. Le turbo, les suspensions. Non, le système de refroidissement peut-être. Je vais nettoyer la voiture. Je vais la laisser crade, hein, je vais être vilain. D'ailleurs, c'est bête, mais si je répare la carrosserie, elle peut pas être nettoyée par la même occasion. C'est-à-dire, veut dire, c'est presque contradictoire. C'est presque contradictoire. Enfin bref. Allez, go. Ça va, j'ai pas trop endommagé ma tuture, alors qu'à un moment j'ai eu un crash. Ça aurait pu très mal se finir. J'aurais pu arracher le train avant. Oh mon dieu, j'ai si peu de peinture acquise. Mais ça viendra. Oh, j'ai mon calfut, je l'ai mal mis ce matin moi. J'ai l'élastique qui me gratte la cuisse. C'est honnête, elles sont longues hein, les étapes. Ouh, ça se coupe. Droite, gauche, 3. Ah oui. 150. Droite, 3. 60, gauche, 5. 40. Saut vers long, gauche, 2. Et 2. Oui, pas cool le saut. Désolé pour la bagnole du gars.
Ah, j'ai gagné. Ouais, premier à passer la ligne. Ah, ça fait plaisir. Par contre, j'ai percuté le mec qui avait la bagnole garée là à cause du saut. Désolé. Hein. C'est... Pour deviner bien le dessin de la route, vas-y quoi. Et pourtant, mon copilote, il donne de bonnes indications là pour le coup. Je le conteste pas. Je suis en train de réfléchir comment je vais cuisiner mon plat tout à l'heure. Je viens d'avoir une idée. C'est bien la musique là. Il y a toujours que du beau temps. Je suis en train de me dire dans ce simulateur, il n'y a pas de flotte, il n'y a pas d'orage. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu une étape sous la flotte. Ok. Ouais, presque les prochains défauts là. Donc c'est agréable d'avoir du beau temps, mais c'est pas toujours le cas en vrai. Yeah. Oui, je reviens sur l'idée d'un FPS qu'on se programme soi-même. Alors déjà, de toutes pièces, avec tous les éléments de puzzle qu'il y a de code libre sur Internet, il y a de quoi faire des jeux de FPS rétro comme j'en fais là, ça doit pas être très difficile. Mais il y a aussi, depuis plus de 10 ans, il y a des logiciels de création de jeux vidéo qui existent sur le marché. Je parle même pas d'éditeur de niveau, mais vraiment de pack de création de logiciels. Et l'idée de Chris tout à l'heure ce matin là, avec le pistolet lecteur de code barre. Oh la vache, oui j'ai bien percuté. On pourrait assez aisément faire un jeu où on incarne un caissier à scanner du code barre. Il faudrait trouver la mécanique de jeu. L'idée peut-être de trouver en un temps record dans un grand entrepôt tel ou tel produit. Peut-être un jeu en soi. Ça risque de rappeler le boulot à certains. Mais, techniquement, ça peut se faire assez aisément, je crois. Ah, elle est moins jolie, la Celica, avec le devant défoncé, là. Elle a plus son joli museau. Eh bien. Ah, c'est cool. J'ai remporté l'épreuve, dis donc. Ça fait plaisir. Eh bien. Bitume lisse. Ouais. Ah, 10 dégâts extrêmes quand même. C'est quand je m'arrache carrément le train, le châssis. Plus longue distance sur deux roues, 30 mètres. Ou sur deux roues, faut les faire les 30 mètres. Ça doit être les courses de buggy en l'américaine hein, quand je fais ça. Ah ouais. Voilà. Ah, vallonné. Gauche 5. 40, droite 4 et long gauche 6. 80,
5. Ça me stresse les... Voilà, les pylônes, là. Enfin, pas les pylônes. La bordure en... de champ en barbelé, ça me stresse. La clôture. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Corps, ils sont pas foulés. Je suis méchant, mais c'est faut qu'il y ait des champs aussi. Le côté champêtre était sympa. Sauf la clôture. Ah, troisième. Bon résultat, on est sur le podium. Ouais, c'est bien. Oh la vache, quand j'ai atterri sur la tranche de... de panneau publicitaire. Ouh, le châssis, là, il a dû déguster. Là. La vache, au niveau du plancher de la voiture, violent. Un truc tout bête au niveau du réalisme, ils auraient peut-être pu rajouter des voiles d'oiseaux dans le ciel, tout simplement. Mais bon, je cherche vraiment. J'ai presque envie de dire je lui cherche délibérément des défauts. Mais non, il est très bien comme jeu de conduite, pilotage. C'est. Voilà. C'est vraiment très agréable. Promenons-nous dans les bois. Ouais, c'est vrai qu'elle perd de son charme avec le musée des océans.
Tiens, une anecdote à vous raconter par rapport à ce modèle, la Toyota Celica. Durant l'âge d'or du peer-to-peer, là, il y a 10-15 ans de ça, le piratage, le tipiacage à foison sur Internet, j'avais trouvé, en fait, j'avais dégoté à ma grande surprise, je l'ai gardé du coup par curiosité. Alors, la mécanique, c'est pas mon domaine, même si je doute pas que c'est super intéressant. J'ai trouvé le manuel d'assemblage de la Toyota Celica. Mais quand je dis le manuel d'assemblage, c'est pas le manuel en gros, c'est vraiment dans le détail. C'est-à-dire que j'ai le PDF qui doit faire 300-400 pages, et pièce par pièce, comment l'assembler d'usine. C'est dingue. J'en revenais pas d'être tombé sur l'info là. J'ai envie de dire, c'est quasiment de l'espionnage industriel quoi. Et du coup j'ai la chance d'avoir le manuel de construction à la pièce près de ce bolide. Ah là là. À ma grande surprise, je dois l'avouer. Alors les dégâts. Il doit y en avoir. Ah la carrosserie, oui on voit qu'il n'y a que le devant qui est bouffé quoi, 73%. Bim, merci pour le GG. D'ailleurs je suis surpris que tu sois pas passé à table, parce que tu vas prendre l'antenne à 13h, fun fan. N'oublie pas de te restaurer. Oula, 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 arbre de transmission et boîte de vitesse. Merde, j'ai pas appuyé où il fallait. Oula. Alors là j'ai déjà la moitié de mon tank qui a... Système de refroidissement, pareil, je peux pas négliger. Ah, le turbo il est pété. Donc pour 5 minutes, soit le moteur, soit les roues. Ouais, les roues. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Elle est endommagée, elle est endommagée. Hein. Quand je me lève et que je suis proche de midi, je mange pas. Ah ouais. Oh, t'as même pas pris un petit déj, t'as pas pris un biscuit, rien. Tu démarres la journée à vide, je sais pas comment tu fais. Enfin, tu me diras, moi c'est pas mieux. Je suis levé depuis 8h du mat et c'est vrai que j'ai pas mangé un biscuit. Tu me diras, je suis mal passé pour te faire la remarque. Parce que oui, là ça fait 4 heures que j'ai le bide vide. Ah là là. Allez, c'est parti. Lui elle me fait quoi là? J'ai un truc sous le bas de caisse. Bah. Votre production actuelle sera perdue. Bah. C'est emmerdant. Parce que... Là je sais pas pourquoi mais je suis encastré dans le décor. On relance le véhicule, tant pis. Je pourrais pas revenir sur la route. Je sens qu'elle va me porter la poisse, cette étape. Non mais j'ai l'impression de traîner un truc sous la caisse. J'ai un bruit bizarre. Droite 4. 60, droite 4.
Merde, droite il m'a dit. Enfin droite 6, c'est après. Comment ça peut? Ah oui. Ça pardonne pas hein, le Royaume-Uni. C'est un rallye qui se mérite. Non, je suis plus dernier. Tu feras mieux la prochaine fois. Non, je me suis défendu là, je suis content. Quand j'étais petit, je prenais pas les petits déj, juste un bar de veau maltine. C'est déjà mieux que rien, un bar de veau maltine. Ok. C'est pas qu'ils aient la barre de céréales au veau maltine, c'est de la dynamite. Oui, là, c'est con ce qui m'est arrivé dès le début, moi, dès l'étape. J'ai eu le malheur de passer en mode tondeuse à gazon, et je sais pas, il y avait un truc qui semblait coincé sous le bas de caisse. J'étais comme embarqué dans un rail avec un mur invisible, et je peux plus revenir sur la piste. C'est terrible. Enfin bon. Je sais plus, 18 étapes hein, qu'ils avaient annoncé, je crois. Là, c'est la cinquième. Waouh. Là, ça me rappellerait, ça me rappelle d'ailleurs, je peux le dire au présent, ça me rappelle le simulateur de rallye dont je vous parlais, qui se passait exclusivement au Royaume-Uni. Il y avait le Royaume d'Irlande, de Grande-Bretagne, d'Écosse. Et waouh. En mieux au niveau graphisme, on est loin des pixels des années 90. C'est voilà. Faudrait que je regarde si je peux le trouver de casse sur la PSD. Le Mobile Rally Championship. Oh, si je le retrouve en version PS2, je serai aux anges. Et là aussi, hein, je vous le ferai déguster. Hein. Je vous le ferai sur mon antenne. Ouais, il avait une sacrée durée de vie. Ça devient une œuvre d'art, d'une certaine manière. Vu comment qu'elle est cabossée, au niveau carrosserie. Ah
mais c'est la même route que la dernière fois, mais en sens contraire. J'avais pas capté, dis donc. Voilà une réutilisation intelligente des données. Véhicule en ligne. Elle a son charme avec ses deux petites antennes souples sur le toit. C'est pas super nouvelle, ça. Je me répète, hein, mais bon appétit pour ceux qui sont à table. Ah, ça devrait être mon cas, je pense, d'ici une heure. Le temps que je prépare ma popote, je me mettrai à table à 13h30. Ça va encore, j'ai pas trop faim. Ah oui, non, je veux dire, c'était pas comme une maison toute pentue, là. Non, non. C'est leur... leur remorque sur le côté, là, pour les sponsors publicitaires. J'ai tiqué en voyant... en arrière-plan, le triangle. Oh, la gueule de la voiture. L'avant est méconnaissable. Je fume noir ou c'est la poussière locale? Non, j'ai cru me voir fumer noir. Oui, alors là, il n'y a plus de logique dans la collision entre le pneu et la carrosserie. Normalement, ça aurait dû éclater. Mais... je fume noir là, j'ai vu l'avant du véhicule, j'ai morflé. En classement, je suis 5e. Je me défends bien au général. C'est bien. Oh, presque 10 bornes sans accident. Ah, je ferai mieux à l'avenir. Je ferai sûrement des belles performances. Oh, 55 mètres le saut le plus long. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'étais à 30 mètres, c'est déjà fou. Oh, 55 mètres. Oh, attention. Concentration. Oh non, elle fume noir. Je vais achever la sélicale. Bah là encore, c'est le sens contraire de l'étape précédente. Enfin, d'une étape précédente. J'ai reconnu la bagnole que j'avais percutée. Et gauche 5 s'ouvre.
150 sur 2 crêtes. Et droite 6 sur saut vers long gauche 4 s'ouvre. 150 gauche 6. Si vous vous souvenez, c'est l'étape là qu'on a en mode carrière. 80, gauche 6, gauche 5, vers droite 4. Et la descente, elle est dangereuse. Juste à l'arrivée. Là, maintenant. 4 et gauche 4 sur crête. Je me méfie maintenant. 150, droite 5. 100, arrivé. Bien! Merci, merci. Pour une Celica bien endommagée. Elle fait barbuck aussi. Non, c'est cool. J'ai sauvé le... J'ai évité le drame. Je suis toujours dans la course. Là, par chance, comme je connaissais surtout la fin de l'étape, je m'en souvenais. Donc, cool. Oula, waouh. Là c'est surréaliste, évidemment. Là, l'effet de profondeur, magnifique. Dans ce petit boîte anglais, parmi tant d'autres.
Et là c'est quasiment plein gaz. Hein. Portion bitume. Là je ralentis parce que je sais que la descente est dangereuse, comme je vous l'avais annoncé. Souvenez-vous au début, ceux qui étaient là par rapport à mes premières courses en mode carrière, combien de fois j'ai valdingué dans les corps parce que j'amorçais la descente plein gaz. Et tu peux pas en fait. C'est impossible. Tu peux pas déjouer les lois de la physique. Mais le problème c'est que dans l'effet toboggan, j'ai envie de dire, au niveau du dénivelé, t'es happé. T'as envie de tracer forcément. Mais c'est un piège en fait. C'est terrible. Circuit suivant, ce serait une spéciale, ouais. Clé d'air, restway, ok. Alors, réparation. Réparation de la violence. Oh là là, l'état de la bagnole. Aïe. Mon moteur, il est mal. Il me reste 12 minutes. Ouais, l'arbre de transmission. Pour 2 minutes, je peux rien faire d'autre. Tant pis. Mais voilà quoi. La carrosserie, il reste une œuvre d'art. Et j'ai le turbo qui est bouffé à moitié, mais c'est une spéciale alors. Si, le turbo va me servir quand même, mais bon. Faut que je tienne juste le temps de la spéciale quoi. Dur, hein. Dur. Chula Vista A, mon tracé favori, je sais même plus à quoi ça correspond. C'est pas l'épreuve de rallye espagnole par hasard? Parce que Vista, ça sonne vachement espagnol, je trouve. Je trouve que je me suis pas trop mal défendu. Mais c'est la compétition. J'étais contre qui d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe à quel modèle de bagnole. J'ai même pas fait attention, c'était pas un peu joué. Pardon. L'ami Logir, il a le coup d'œil pour ça. Pour identifier les futurs.
le résultat. Rien. Je suis en Italie maintenant, elle est neuve. On est d'accord, elle est neuve. Et bah c'est parti pour l'Italie. Ouais, on est quoi, oui. Fun, tu prends ton antenne dans un quart d'heure environ. Chura vista e... Aïe aïe aïe. En Italie. Grave erreur. Voilà. C'est dommage. J'étais bien parti. On va la refaire. Ah, c'est ballot. J'étais bien concentré et puis écoute. Erreur fatale. 60, droite 4, se resserre 3. Écrète, écrète 40, gauche 3. Et long, droite 4, se resserre 2. Et gauche 3. J'ai failli le percuter. Vers droite 5 et long gauche 4. Et droite 4 sur bosse. Et gauche 3. Et long droite 2.
gauche 6. 100, droite 6, gauche 6 sur crête. 60, gauche 5, droite 5, gauche 4, bitume. 100, droite 6 et gauche 5. 80, crête long, droite 5. 80, crête, 80, très long, gauche 5 sur bosse. Oui, alors là la bosse, je l'ai pas aimé là. 60, crête 40, droite 4 sur pont. 5 et droite 3 sur pont. 2. Je me moins fort mais je me répète le pont. À droite 2. Et gauche, ah oui. 2, et droite 3, et long gauche 4. Et droite 5, et droite 2. Vers gauche 4. 100, droite 4 sur crête. 60, gauche 2. 4 vers long droite 5. Les crêtes, 150 long droite 4. Continue vers gauche 4. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Message de FunFan 1992, je vais préparer mon stream à tout de suite, à ce qui suit le raid les autres bonnes journées, accent circonflexe. Moi je me ramène mes émotions. Concentration. Wow, c'est hypnotique. Ouais, bonne prise d'antenne à toi, FunFan. Je te fais le relais de chaîne d'ici 5 à 10 minutes. Oui, bah, je vais peut-être pas faire la course suivante. Alors je la referai, c'est pas grave quand je jouerai à Macrae. Mais c'est bien, c'est pour l'exemple. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc cet après-midi, je redémarrerai sur la PS3 et Resident Evil 0 et je referai une tentative parce que c'est trop bien. Je suis motivé. Le mode spécial Lesh Hunter, je crois qu'ils appellent ça Lesh Hunter, le chasseur de... J'ai l'air de lentilles. Le chasseur de... Pas des larves. De sangsu. Le chasseur de sangsu. 50 pour Rebecca et 50 pour Billy. Uniquement dans le manoir et pas dans le labo ou je sais pas quoi. J'ai appris de ma découverte d'hier et de mes erreurs et je suis vraiment motivé à vouloir faire cet après-midi pour débrouiller un truc. Parce que j'ai déjà débrouillé le chargeur de Steven Trailer. Alors c'est un peu con d'avoir un chargeur sans avoir d'arme. Donc. Voilà. Wow. Oh, vache.
Donc un beau programme en perspective cet après-midi. Et puis on verra en fonction de l'heure, de quand j'apprends l'antenne ou pas. Je dis 16h par défaut parce que je vois bien FunFan prendre l'antenne de. Il aime bien les blocs de 3h. Il va nous faire du 13h-16h théoriquement. Il y a l'ami Bambastos qui va diffuser à 18h et là je lui céderai l'antenne à 18h. Donc peut-être qu'on fera juste 2h d'essai sur le mode spécial ou les modes spéciaux, peut-être au pluriel, de Resident Evil 0 cet après-midi. Je suis vraiment motivé. Ça va être cool. Et là, hors antenne, je vais... Ah c'est bien, il a lancé. Bah, je vais programmer le raid et puis on va doucement glisser chez la Mifold Fan. Là, hors antenne, donc je vais manger. Je répète mon bon appétit à qui de droit, à tous ceux qui sont à table. Et merci SDR, déjà pour ta présence, t'es vraiment fidèle parmi les fidèles. Merci pour la centaine de bits que tu as donné à la chaîne, ça va dans la cagnotte, comme tu le sais très bien. Merci à l'abonnement que tu as offert à Chris Golgoth, ça lui a fait plaisir. Tel que je le connais, il est sensible, merci pour lui. Et merci pour la chaîne, voilà, merci toi. Merci SDR. Merci à vous d'avoir été là, il y a eu qui, il y a eu Erika, enfin dans ceux qui sont manifestés, parce que je sais que certains d'entre vous me regardent sans se manifester, et vous avez parfaitement raison, je comprends parfaitement que vous soyez caché en lurk, comme on dit. Oui, j'ai eu plaisir d'avoir un petit coucou d'Erika ce matin, donc il y a eu Chris, voilà quoi, merci pour la modération, comme ça. Donc moi je vous dis normalement rendez-vous à 16h tout à l'heure. Pour du Resident Evil Zero, mais en mode spécial. Chasse de sangsues. Et là, ça va être stylé, ça va être cool. Ça va être rythmé en plus. Allez, Zou, on va se quitter sur Belle Arrivée. Où je peux sauvegarder? Non, je crois pas. Allez, je pense que la bascule va se faire là. Dans quelques secondes. Allez Zou, chez FunFan. Bye bye.